Et bienvenue à Dimanche avec vous, émission de ce 1er décembre 2019. Les rubriques habituelles, pour ceux qui arrivent à l'instant, sachez qu'on aura le 13 minutes inside, on aura le MTV, le feedback et le meilleur de la télévision, sinon sans ignorer bien sûr le C'est mieux. Et cet après-midi, donc, on fait un clin d'œil à toute la communauté Sawa qui célèbre la fête de Ngondo et on espère que ça a bien commencé et que ça se poursuit naturellement très bien. Dans tous les cas, bon Ngondo à tous les Camerounais qui sont, à tous les Sawa qui sont du côté du Cameroun et à l'étranger. On reçoit pour vous cet après-midi Joseph-Antoine Bell, quelqu'un dont on ne présente plus, ancien Lion indomptable. Il est également le chef de troisième degré à Moindé là-bas. Donc, c'est le lieu pour nous, mesdames et messieurs, de l'accueillir comme il se doit. Joseph-Antoine Bell, bon après-midi, bienvenue à Dimanche avec nous. Merci, bon après-midi à tous. Vous allez bien, Joseph-Antoine Bell? Oui, je vais bien. Je vais bien, je suis en forme. J'adore le sourire. Hein. Il est toujours là. Quand on sourit, on ne se voit pas. Et moi, je ne me mets pas assez souvent devant la glace. Et en tout cas, pas en souriant. Donc, oui, je le vois sur les photos. D'accord. En tout cas, c'est un honneur, c'est un plaisir pour la grande équipe de Dimanche avec vous de vous avoir sur ce plateau. Tout en sachant que vous avez un calendrier hyper chargé, c'est pas évident de vous avoir. Donc, rassurez-vous, on est très, très honorés de vous avoir sur notre plateau cet après-midi. Je suis venu avec plaisir. Alors, je regarde votre chapeau et il me plaît vraiment. Vous l'avez eu où? Mais ça se vend. En tout cas, il est arrivé des États-Unis. Il a été acheté comme beaucoup d'articles que je porte par Madame Bell. D'accord, ok. À qui on adresse le salut bien bas cet après-midi. Je le dis parce que quand on a un ancien Lion indomptable sur le plateau, on se dit, mais quand c'est un joueur, quand c'est un gardien de but, quand il arrive, on s'attend à ce qu'il soit peut-être habillé en jogging, peut-être en tenue de sport, en maillot de sport, mais on le voit débarquer en chemise, un chapeau, pour dire quoi, Joseph-Antoine? Mais pour dire qu'il y a un temps pour tout, vous ne pouvez pas vous attendre à voir un gardien de but, même en activité, dans un studio de télé, avec ses chaussures de foot et son maillot de gardien et des gants dans les mains. Donc, quand on est dans un studio de télé, on est un invité de la télé et on se comporte comme les invités de la télé. Quand on est sur un terrain de foot, on est footballeur et pas autre chose. Quand on est à l'église, eh bien, on est un fidèle comme les autres. Quand on est dans l'eau, on nage comme les poissons. Et voilà. Jojo, c'est pour les intimes ou bien c'est un surnom comme non, je ne sais pas si c'est pour les intimes. Mais en tous les cas, Jojo était pour la famille. C'est le nom avec lequel m'appelait mon père, et donc ma mère, et mes frères et sœurs. Simplement, par le jeu des amis, des petits copains, parce que personne ne naît avec l'âge que j'ai aujourd'hui, donc il faut bien m'imaginer petit garçon. Tout à fait. Voilà, donc avec le jeu des amis qui viennent à la maison, qui entendent comment on vous appelle, et qui commencent à vous appeler pareil, eh bien, le petit nom de la maison va sortir. Et puis, le jour où vous commencez à devenir célèbre, il y aura un journaliste qui va récupérer ce petit nom et le mettre à l'affiche. Et c'est peut-être aussi l'occasion de rendre à César ce qui est à César. Parce que, en fait, le Jojo est devenu public le jour où un journaliste appelé Albert Atanafuda m'a fait une interview alors que j'étais Ballon d'Or camerounais et que, j'allais dire malheureusement, non, peut-être heureusement pour l'histoire, et qu'à la une de son journal, il m'a appelé Jojo, comme à la maison. Et voilà comment c'est parti.
Et après, c'est devenu le Jojo de tout le monde, quoi. Aujourd'hui, malgré mon âge, les petits-enfants aussi m'appellent Jojo. Jojo. Vous aimez ça ou pas? J'ai pas besoin d'aimer, c'est comme ça. Mon père m'a appelé comme ça, j'ai pas besoin d'aimer. Il y en a qui s'appellent autrement, donc non, bon. Puisqu'il y en a C'est qui vrai, n'aiment vous pas avez leur nom, raison, oui, il y en a qui n'aiment pas il y leur en nom. a qui ont la malchance de pas aimer comme on les appelle, mais Oui. moi, c'est pas le cas. Il est arrivé des fois, on vous appelait Masayo. Non, jamais. Jamais, Masayo. Non, Puisque les Joseph, par affection, non. on les appelle aussi les Masayo. Non. Masayo Sef. Non, on m'a appelé Grand Jo. Ça aussi, c'est un grand Jo qui est parti de la maison. J'avais mon jeune frère, je dis j'avais parce que malheureusement il nous a quittés il y a un an. C'est lui qui a transformé donc le Jojo en Grand Jo avec ses copains. Et puis après, c'est sorti aussi le Grand Jo. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. On plante le décor, mesdames et messieurs. Comment est-ce qu'il a intégré l'équipe nationale? Où est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il a grandi? Sa première voiture, c'était en quelle année? Les problèmes avec la FECAFOOT, vous voyez qu'on va évoquer hein, beaucoup de sujets cet après-midi. L'émission est longue de 2h30 minutes. Alors, Joseph-Antoine Bell, vous êtes né en 8 octobre 1954 du côté de Moindé. Oui. D'accord, c'est un petit village. C'est un petit village martyr. Martyr parce qu'au moment des indépendances, il fait partie d'à peu près 150 villages qui furent rasés par le colonel Lamberton. Et aujourd'hui, on appelle ça crime contre l'humanité lorsqu'on rase des villages et qu'on chasse on oblige les habitants à devenir des nomades et à être déplacés. Voilà, donc dans mon village, il y a eu un crime contre l'humanité. Je suis le chef d'un village qui a subi un crime contre l'humanité. Voilà, alors c'est chez, comment on dit, chez les Bassa là-bas. Oui, c'est chez les Bassa, oui, Comment même. est-ce qu'on dit bonjour en langue Meïga. Méga? Meïga. Comment est-ce qu'on dit votre fils est là, il vous parle? Un petit mot à toutes les personnes qui vous regardent du côté de Moindé. Mais à votre fils est là, Oui, c'est-à-dire votre fils, moi. voilà. Non, mais même que les C'est-à-dire, moi, je vous parle. Là. Mais aujourd'hui, bon, c'est vrai, c'est symbolique de dire votre fils, parce qu'aujourd'hui, c'est moi leur père. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Alors maintenant, on va s'adresser aux enfants, c'est-à-dire puisque c'est le père qui est assis, c'est le père qui parle, le père doit donc s'adresser à ses enfants qui le regardent en langue vernaculaire. Mais il faudrait avoir un sujet. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise Mais il faut leur dire un mot, ils vous précisément? regardent, il y a des choses. Lorsque vous êtes souvent entre vous, en petite famille, vous dites quoi? D'abord, quand je suis là-bas, je réponds plus à leurs questions parce que vous imaginez bien que quand vous avez et un papa et un frère et un chef qui voyagent et qu'on voit dans le monde entier, ça veut dire que vous êtes chez vous et vous vous dites, ah mais c'est nous là-bas, c'est ah nous on le connaît. Donc quand je reviens, c'est à eux de poser des questions pour savoir comment ça s'est passé, pour savoir comment comprendre ce qui s'est passé. D'accord, ok. Je me mets dans la peau d'un fils Oui. et là maintenant je vais poser une question. Faut la D'accord? poser là en Bassa et je serai très heureux de vous répondre en Bassa. Vous savez, Mais non. aujourd'hui, il y a l'Église catholique qui a réussi quelque chose de fantastique. Je ne sais pas s'ils le savent eux-mêmes, mais ils ont des chorales qui chantent dans toutes nos langues. Les mêmes gens, les mêmes garçons et filles chantent donc en Bassa, en Bamlèké, en Douala, en anglais, en français. Et ça, c'est vraiment magnifique. C'est montré que. Et puis, quand vous écoutez ces chansons, vous vous rendez compte qu'on s'entre-déchire souvent inutilement. Parce que chanter dans toutes les langues, vous vous rendez compte que non seulement les chansons sont toutes belles, donc on ne peut pas dire que chanter en Bamlèké soit moins bien que chanter en Douala ou que chanter en Ewondo. Voilà. Et ce sont les mêmes personnes qui chantent dans ces langues-là. Et c'est un très, très, très bon exemple. On devrait nous le montrer partout, surtout lorsque. On parle de repli identitaire, on doit afficher cela, montrer, voilà quelque chose qui est réussi, comme par hasard, mais qui est là devant nous. Ça Voilà. ressemble un peu aux lions indomptables qui gagnaient avec tout le monde sans que personne ne demande d'où viennent les joueurs. D'accord. Donc, je garde la question en bas ça Ouais, à la ouais, fin de l'émission. Dikenek Kenem, pardon. Nibesu, ça veut dire Kenek on avance, go Nibesu. ahead. Voilà.
D'accord, ok, on va revenir sur cette question en Bassa vers la fin de l'émission. Comme ça, j'aurai le temps de bien formuler la question en Bassa. D'accord. Peut-être de prendre quelques cours. D'accord. Alors, papa se prénommait Stanislas. Oui. Maman Antoinette. Oui. Donc, tous deux décédés. Aujourd'hui. Vous avez fait votre... Papa était directeur d'école. Oui, instituteur aussi. Vous avez fait votre école primaire à Kriby. À Kriby, oui. À l'école Saint-Joseph. Quand on s'appelle Joseph Antoine Bell et on est dans une école Saint-Joseph, on se dit quoi? Parce que quand on est petit... On se dit qu'on est le patron de l'école. C'est moi le boss de l'école. On se dit qu'on est le patron de l'école. Mais si vous êtes le patron de l'école, vous avez quand même une responsabilité. C'est d'être bon. Tout à fait. Ouais, et de bien porter le nom, le prénom de Joseph. Voilà, oui. Alors, comment est-ce qu'on est né, le jeune Joseph-Antoine Bell, né à Moindé, va se retrouver en train de faire l'école primaire du côté de Kriby? Simplement parce que mon père a été affecté là-bas. Comme vous l'avez dit, mon père était instituteur et directeur d'école. Et donc, on pouvait l'affecter partout à l'époque. Le diocèse de Douala s'étendait jusqu'à Kriby. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et donc, il pouvait être à Kriby. D'ailleurs, quand il a été affecté à Kriby, il venait de Japoma. Donc, et à l'époque, je me souviens, une affectation à Kriby, c'était comme si on vous avait envoyé à plus de 1000 km. Parce que la route n'existait quasiment pas. Et que pour arriver à Kriby, vous passiez toute la journée. Vous preniez le train à Japoma pour aller à Edea. Et d'Edea, vous preniez une voiture qui allait mettre toute la journée pour arriver à Kriby. C'était... Oh là là. Vous aviez quelquefois poussé la voiture. Oui, d'accord. C'était un exercice favori, ah, hein, parce que ça, c'était votre quotidien dans tous les cas. C'était difficile, ou pas vraiment le quotidien, parce qu'après tout, la chance qu'on a quand on a un papa qui est enseignant, c'est que vous savez quand vous irez en vacances. Voilà, vous allez en vacances en même temps. Donc, D'accord. Donc après, les enfants sont en vacances en même temps que le papa. Le papa, voilà. Ça fait du bien, c'est un avantage aussi. Oui, oui, bien sûr. Vous avez papa à la maison tout le temps. Bien sûr, oui, pendant les vacances. Mais ce n'est pas surtout ça, c'est que lui qui était le fils du chef de village, donc destiné à être le chef de village et qui prenait ses responsabilités d'aîné à cœur, et bien, à toutes les vacances, faisait l'effort de rentrer dans son village. Et c'est pour ça que je connais cette histoire de route, parce que c'était pénible à chaque fois d'aller au village, mais il y allait, il n'y a rien qui pouvait l'empêcher d'aller au village. C'est peut-être maintenant que nous parlons ensemble, c'est peut-être de là que je tiens moi-même le comportement que j'ai eu quand j'étais footballeur professionnel. Je ne suis jamais allé dans les destinations touristiques, les Baléares, les Maldives, les Honolulu et tout ça. Donc quand les autres rentraient de vacances et qu'ils pouvaient dire qu'ils étaient à Ibiza, moi j'avais été à Moindé. Pourquoi? Parce que papa... Parce que maintenant je me rends compte, je l'ai toujours fait, je ne m'étais pas posé de questions, mais maintenant pendant que nous parlons, je me rends compte que en fait je n'ai rien inventé, c'est que j'avais pris ça de mon père. D'accord, ok. Papa vous répétait souvent à la maison, quand on a un père instituteur, ça veut dire que parfois... C'est lui le répétiteur à la maison? Non, non, non. Il était un type spécial. Il était un type spécial. Je ne l'ai jamais vu répéter quiconque. Non, c'est... Aujourd'hui, quand on parle de répétiteur, je dois avouer que je me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce devenu si nécessaire. Parce que nous, moi, je n'ai pas vu mon père répéter quoi que ce soit à qui, à aucun de ses enfants. C'est vrai. C'est vrai, en revanche, qu'il allait répéter les enfants des autres. Mais vous, non, vous étiez, vous étiez obligé d'être bon, j'ai l'impression, oui. Et puis, à la fin des trimestres, là, quand chacun revenait avec son bulletin, là, oui, les gens se mettaient ensemble, mais ce n'était pas la répétition, c'est qu'on lisait les bulletins. Donc, tu donnais le tien à un autre de tes frères qui lisait pour qu'on entende. Bon, mais quand c'était bon, c'était juste des sourires, ça paraissait normal. Et s'il y avait quelque chose
qui n'allait pas, tu avais droit à... À un fessé? Ah non, pas du tout. À quoi? Je ne l'ai jamais vu fesser personne parce qu'il ne comprenait pas. Non, tu avais droit à une moquerie. Simplement, donc chez nous, c'était la plaisanterie assurée tout le temps. Donc, par exemple, mon père voulant expliquer à maman le classement, non pas de l'un de nous, mais d'un enfant qui était avant-dernier de sa classe, a sorti une idée géniale. Il a dit à ma mère, c'est quand on renverse la feuille que lui, il est deuxième. C'était grave ça. Donc voilà le genre de choses ouais, que pouvait sortir. D'accord, donc si tu avais été bon partout et pas bon par exemple en sport, même là il se moquait de toi. Ah bon, donc t'arrives pas à lever la jambe quoi. Ok, donc après cela vous allez vous retrouver à Douala. Oui. Vous allez faire le secondaire du côté du lycée de Douala. Oui. À l'époque, qui est devenu le lycée technique de Koumassi. Qui est le lycée technique de Douala, oui. Koumassi. Donc moi, je ne connais pas le lycée technique de Koumassi. Mais vous connaissez le lycée technique de Douala. Douala, oui, okay. Oui. Alors, vous êtes arrivé là-bas par concours? Oui, c'était comme ça à l'époque. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Mm-hmm. Mais à l'époque, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, vous aviez combien de lycées? Lycée technique de Douala, lycée de Nobel, comme ça s'appelait, lycée Dios. C'était pas lycée des jeunes filles à l'époque? Oui, non. Lycée des jeunes filles, mais vite devenu lycée de Nobel quand ils ont admis des garçons. Mm-hmm. Puis est arrivé le lycée polyvalent de Bonaberry. Mm-hmm. Donc il y en avait quatre, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a de la chance d'en avoir autant dans tous les quartiers. Mm-hmm. Et donc, tous ces lycées-là, comme le collège Liberman et je crois le collège Saint-Michel qui existait, on y entrait, on y accédait par concours, en concours d'entrée en sixième. Et moi, c'était à l'époque où il y avait encore des Blancs qui enseignaient chez nous. Et donc le lycée, chez les autres, je ne sais pas, mais au lycée technique de Douala, ces Blancs-là avait une aversion particulière pour les élèves qui ne rentreraient pas par concours. Mm-hmm. Bon, et ça, il faut aussi dire que c'était rare. Donc, les deux fois, je crois que c'était deux fois 20 places ou deux fois 40 places sur les 3000 candidats qu'il y avait, c'était ça. Et puis, si vous arriviez au lycée technique après la rentrée, parce que votre père est fonctionnaire et a été affecté, il fallait être fort psychologiquement parce que ils avaient les professeurs avaient inventé un terme pour appeler tous ceux qui ne sont pas entrés par concours. On les appelait les parachutés. Et ça allait te coller à la peau. Tu avais intérêt à être costaud psychologiquement et à être finalement bon pour arriver à justifier que ce n'était pas une faveur qu'on t'avait faite. À cette époque-là, les faveurs étaient quelque chose dont logiquement personne ne voulait. Chacun voulait le mérite. Et là, seulement, il se trouve qu'il y a des enfants de préfets, de sous-préfets, dont les parents... pouvaient être affectés et que les affectations, malheureusement, celui qui s'occupe des affectations des fonctionnaires ne les calque pas sur la rentrée scolaire. D'accord. Donc, il y a des enfants qui ont souffert de ça. Mm-hmm. Alors, votre cycle, hein, c'est-à-dire votre second cycle, a connu une perturbation, notamment en classe de seconde. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph-Antoine Bell? Ben, dites-le. Oui, je suis un type qui est né dans la douleur et qui était préparé à rencontrer des obstacles. Il y a quelque chose que vous ne savez pas et vous ne le savez pas, c'est normal. Mm-hmm. Parce que ma maman est décédée, si elle avait été là, vous seriez allé la voir. Mm-hmm. Et vous aurez dit, ce type-là, il rechignait à venir au monde, il retardait parce que le monde ne lui plaisait peut-être pas beaucoup. Mm-hmm. Et donc, si les enfants naissent à 9 mois, lui, il est né à 10 mois. Mm-hmm. Donc, ça avait déjà commencé comme ça. Quelqu'un qui sent qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop de lui. Et c'est comme ça qu'en seconde, une histoire de mœurs m'a amené en prison.
À Boya, la prison de Non, Boya. pas du tout. T'étais Pourquoi où? Boya? Non, j'étais au lycée technique, qu'est-ce que j'irais faire à Boya? Non, je connais la prison de New Bell par cœur. Ouais, d'accord. Voilà, et après une instruction, est-ce que ce n'était que l'instruction, mais après une instruction longue d'un an et demi, donc quand j'entends les gens parler de la lenteur de la justice, moi j'en sais quelque chose. Après un an et demi, j'ai été Libéré pas quand libéré, parce que libéré ça ne veut veut rien dire dire, que blanchi. oui. Voilà, j'ai Est-ce été qu'on a relaxé. réparé? Oui, il y a eu une Non, réparation. on n'a pas réparé, je ne me suis même pas retourné sur ce fait-là. Je n'ai même pas eu le temps d'être revanchard par rapport au ni au coupable, ni à l'instigateur de l'affaire. Donc, non, je ne me suis pas retourné dessus en disant, bon, ben, chacun son karma. Mais bon, résultat, tout ce que vous savez de moi a été fait après cette épreuve. Donc, ça veut dire que, en définitive, peut-être qu'il fallait bien passer par là. Ce n'était pas si négatif. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça fait que je connais le système judiciaire camerounais et que quand les gens parlent de lenteur de la justice, là-bas, ça m'a appris aussi à être tolérant et patient et essayer de comprendre les choses. Donc, en regardant, je me suis rendu compte que la justice divine n'est pas plus rapide que celle des hommes. D'accord, ok. Donc. J'ai dit Boya et on va parler de Boya, présence de Boya, ainsi Oui. que d'autres clubs que vous avez intégrés. Mais avant, parlons de l'amour, de l'affection pour le football. Quand on sait que vous êtes aussi un fin guitariste, vous avez fait du handball. Fin guitariste, Ouais, non. vous êtes guitariste à vos heures perdues. Heureusement que vous avez ajouté aux heures À perdues, vos oui. heures perdues. Oui, les heures perdues, et comme il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que je ne suis pas si bon guitariste que ça. Je suis. Mais vous touchez quand même. D'ailleurs, dans ce cas-là, on parle de gratter. Gratter. C'est-à-dire que ceux qui Ce sont. que j'ai vu là, vous appelez ça gratter. Bon, vous êtes modeste, disons ça comme ça. Je sais pas, oui, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais moi, je sais que je ne me présenterai nulle part comme guitariste. Ça se sait. En revanche, comment j'ai joué au foot, La passion, l'amour pour le foot. comme tous les enfants. Je crois que tous les enfants aiment le foot. Hier, on est quoi? On est dimanche. Vendredi ou jeudi, je ne me rappelle plus. Je roulais à Bounandjo et j'ai vu un tout petit du lycée Diors qui rentrait de l'école avec son ballon à la main et ça m'a bien fait rire. Donc tous les enfants aiment le foot parce qu'il est facile à pratiquer, parce qu'avec ce ballon qui est sphérique, moi ça m'a aidé à marcher selon ma mère. Mon grand-père avait jeté une boule et ça m'a obligé à me lever pour marcher, essayer de marcher derrière la boule. Et voilà, et prétendre qu'après ça, je ne me suis plus jamais arrêté de marcher parce que j'allais derrière la boule. Donc, on commence comme ça, puis après, ben, on prend goût. Parce que la balle de foot, précisément, même la balle d'enfant, a ceci de particulier que quand vous la tapez contre le mur, elle vous revient. Donc, vous pouvez ne pas vous déplacer. De l'autre côté, elle a ceci de particulier qu'étant sphérique, quand vous la poussez, elle roule. Et donc, vous lui courez après. Et ça, les enfants adorent. Voilà. D'accord. Petite précision, hein, parce que lorsque vous étiez au lycée technique de Kumasi, vous avez fait option génie civil. Ça, Oui. c'est important de le dire. Bon, je ne sais pas Ouais, si c'est c'est très important. important, Joseph-Antoine Bell. Donc, après cela, vous allez vous retrouver en France. Oui. Oui. Là, c'était pour poursuivre les études. Oui. Oui. Quand on fait génie civil, la tentation, non, le chemin est presque balisé pour faire dans les travaux publics ou le bâtiment. Voilà. Ouais, c'est ce que vous avez continué à faire de ce côté-là. Après, Tout à vous fait. êtes. Mais avant cela, rappelons que au Cameroun déjà, vous avez joué dans certaines équipes, étant Oui, tout jeune, bien sûr. présence Bien de sûr, non, Boya j'ai joué dans au Éclair de Ritz. Douala, Oryx de Douala, Présence de Boya, Union de Douala. Oui, une grande histoire aussi. À cette époque-là, d'ailleurs, aujourd'hui, le nom est resté, même si je ne suis pas sûr que ce soit toujours pareil. Le club aux millions de supporters, c'était à l'époque où je jouais. Et donc, Union de Douala était l'équipe la mieux soutenue du Cameroun, ou la plus soutenue du Cameroun, avec beaucoup, 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 beaucoup de supporters.
qui aimait cette équipe-là. Et celle de l'époque où j'y jouais, jouait tellement bien qu'elle avait rallié beaucoup de supporters, d'amoureux du foot de la ville de Douala, et qu'elle avait réussi à être transethnique. D'accord. Africa Sport, vous êtes retrouvé là-bas, dans cette équipe. Oui, oui, oui. Donc, de France, je suis allé à Abidjan, Africa Sport, par un concours de... Je ne sais même pas quelles sont les vraies circonstances, parce que moi, je vois de mon côté, ce que je vois, c'est que monsieur vient me voir... Je ne sais pas s'il était venu me voir ou s'il était à Paris. Je ne sais même pas comment il avait fait pour retrouver ma trace. Parce que je ne jouais plus que j'étais à l'école de travaux publics. Et donc ce monsieur, j'avais son nom jusqu'à récemment encore, supporter ou dirigeant de la SEC d'Abidjan, vient me trouver. Je me rappelle très bien, je suis allé le voir à un hôtel qui est à Montrouge. Je le vois encore. Aujourd'hui, en passant dans le périphérique, j'étais allé le rencontrer accompagné d'un ex-partenaire de l'Union de Douala qui s'appelait Thomas Guimia et même d'un autre, Yeri Mateni, deux ex-joueurs de l'Union de Douala qui étaient avec moi. Thomas Guimia était lui aussi à l'école en France. Et donc, on est allé rencontrer ce monsieur qui me proposait d'aller à Abidjan pour jouer à la SEC d'Abidjan. Et je lui avais répondu que ce n'était a priori pas possible puisque j'étais à l'école. Mais que bon, s'il y avait une école semblable à Abidjan, pourquoi pas? Et là, on pourrait négocier, on pourrait voir dans quelles conditions je pourrais aller là-bas. Il m'a dit, bon, ben je vais aller voir, je rentre, on va se recontacter. Mais j'ai l'impression, je vais l'apprendre plus tard d'ailleurs, que en fait, à Abidjan, je ne le savais pas. Il y avait une rivalité incroyable entre ASEC d'Abidjan et Africa Sport. Or, ce monsieur rentré à Abidjan, ceux qui connaissent le foot comprendront pourquoi, au moment où un club a besoin d'un joueur, il ne le fait pas savoir, et si ça sort, il le dément. Parce que sinon, vous aiguisez les appétits des adversaires, de vos concurrents, qui vont essayer d'avoir la même chose. Et puis, aussi, les enchères vont monter. Donc là, ce monsieur, apparemment, rentré à Abidjan, a fait savoir qu'il était sur un gros coup. Joseph Antoine Bell à Abidjan, c'est... C'est un gros coup, quoi. Voilà, voilà comment le président concurrent de l'Africa Sport d'Abidjan, Simplice Zinsou, qui lui, en plus, avait des moyens quasiment illimités, il était le gendre de Fouet-Boigny, a débarqué alors que je ne le connaissais pas plus et est passé par quelqu'un qui lui me connaissait bien, Ibrahim Soumaré, qui était le patron du journal Jeu d'Afrique, avec qui j'avais une relation suivie. Et donc, c'est lui, Soumaré, qui m'appelle au mois de juillet, je crois, pour me dire, il y a quelqu'un qui veut absolument te parler. Donc, et là, Simplice Zinsou prend le téléphone. Vous parliez de Jojo tout à l'heure. Et bien, parce que Soumaré avait déjà dit Jojo, ben, Simplice Zinsou, que je ne connaissais pas, a commencé sa conversation en disant, mais Jojo, il faut que tu viennes. Je voudrais que tu viennes et qu'on dîne. Il était 18h. 18h, je suis, pour ceux qui connaissent Paris, je suis à Châtenay-Malabry. Il faut revenir à Paris. J'étais en stage à Aubervilliers, rentré à Châtenay-Malabry, ressorti. Je lui dis, mais vraiment, je ne peux pas. Je suis mort de fatigue et j'ai passé la journée au soleil. Demain, je vais repartir, on ne sait pas. Et il a insisté. Puis, après, je vais apprendre qu'il était... me rendre compte qu'il était suffisamment filou. Filou, entre guillemets. Bien sûr. Et il me glisse, mais non, Jojo, tu peux venir avec ta fiancée. Je ne sais pas si c'est Ibrahim Soumaré qui lui avait dit. Il dit que vous aviez une fiancée à cette époque-là. Viens, je t'envoie un taxi. Tu ne te gênes même pas, je t'envoie un taxi. Donne-moi l'adresse, le taxi vient te chercher. Tu nous retrouves sur les Champs-Élysées. Je crois que le restaurant, c'était chez Pierre.
finalement, bon, ben, j'ai dit oui, donc je suis parti. J'ai pris Félicité, le taxi est venu, on est parti. Bon, quand je lui ai dit que. Je ne savais pas de quoi il allait me parler. Donc là, il remet la même chose qu'à Sec d'Abidjan, avec quelque chose de mieux. Voilà. Le filou savait qu'il pouvait. Il pouvait être mieux considéré en disant, moi, je ne t'oblige pas à venir, je ne te flatte pas, je te mets un billet d'avion, tu viens voir Abidjan toi-même, et comme ça, tu verras si tu peux y vivre. Ouais, voilà, voilà. Et ça a marché, quoi. Voilà, oui. D'accord. Joseph-Antoine Bell, avec votre permission, on va marquer le premier arrêt de ce programme. Et je vous signale à vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous regardez en direct sur Equinox Télévision et sur notre page Facebook, juste après, on saura comment est-ce qu'il a intégré l'équipe nationale des Lions Indomptables et qui était à cette époque-là le sélectionneur. Voici maintenant le 13 minutes avec notre invité de cet après-midi, Joseph-Antoine Bell. 13 minutes Inside, c'est maintenant. Cet après-midi, Joseph-Antoine Bell arrive à la place des manifestations du Ngambabok. Nous sommes à Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime, dans la région du littoral. Ce n'est pas l'icône du football camerounais africain qui se présente ici, mais le chef des Mwande. Le peuple du village éponyme situé à quelques kilomètres d'ici. Ton amant m'a sous ma pondeur gourée, on attendit des rois. Depuis 2012, Joseph-Antoine Bell est drapé de ses attributs de chef traditionnel. C'est à ce titre qu'il prend part à cette cérémonie. Il s'agit d'une grande fête des peuples Bassa Batipo. Plusieurs centaines de personnes sont présentes ici. L'événement culturel, en temps restant en hibernation, reprend droit de cité. L'idée de faire revivre une ancienne tradition qui a été oubliée est plutôt une bonne idée. Et évidemment, les débuts sont toujours difficiles, donc refaire cela n'a pas été simple. Mais je dois vous avouer que du temps même où je vivais en Europe et notamment en France, je pensais à ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire à si on pouvait organiser cela, si on pouvait faire ce qui s'est passé. Au menu, conférence, débat, rite, incantation. Le tout dans la plus tradition Bassa, dont la connaissance de l'histoire profonde et son legs aux jeunes générations constituent les principaux ressorts. Je choisis d'intervenir pour apporter ma contribution à la connaissance de notre histoire, à la connaissance de nos valeurs et de telle sorte que qu'on partage, parce qu'on ne vient pas, il n'y a pas de maître qui vienne enseigner aux autres. Non, je crois qu'on partage les connaissances. Il y en a qui en ont peut-être un petit peu plus que d'autres. Et il y en a qui peuvent avoir des choses un petit peu plus intéressantes à dire. Et justement, il ne faut pas s'abstenir d'apporter sa propre contribution. Ici, les Mbombok, entendez les sages parmi les sages, sont en première ligne des festivités qui s'étendent sur plusieurs jours. Moi, je voulais juste redire que
si nous voulons, non pas la première madame, mais retrouver profondément nos racines, nous n'avons pas à chasser les autres ou à nier l'existence des autres. Direction Kumasi, un quartier du premier arrondissement de Douala, nous décidons de faire une incursion dans l'intime de Joseph Antoine Bell. Ici, la résidence Félie, du diminutif de son épouse Félicité. Avec un peu de chance, nos caméras surprennent le meilleur gardien africain de tous les temps en séance de piscine. Après les goals, voici l'autre dada de Jojo. Non pas un amour pour l'eau, mais un exercice bel et bien sportif, nous confie-t-il. Ce n'est pas l'amour de l'eau, c'est de la gratitude envers l'eau parce qu'elle me permet de faire des exercices que je n'aurais pas fait autrement et qu'elle permet de la douceur dans les exercices. Il n'y a pas de violence et donc je crois que ça me permet de travailler en douceur. Que Dieu la partie, Joseph Antoine Bell reçoit de la visite. Nous découvrirons ensemble, avec le célèbre lieu indomptable des années 80-90, ses visiteurs du jour. Bien égayé par les allures affables de son épouse, il ne voit presque pas le temps passer. Joseph Antoine Bell est un grand féru d'histoire africaine, de science, mais plus largement un passionné de savoir. Ses multiples ouvrages dans divers domaines dans son salon en sont une illustration. Lorsqu'il ne lit pas, Joseph Antoine Bell peut accrocher sa guitare, quelques notes et chants. Vous savez, quand on est jeune, je crois, je ne sais pas aujourd'hui pour les autres, mais moi, ce que je voyais, c'est que tous les jeunes aimaient bien faire du sport, notamment jouer au foot, et que tous les jeunes aimaient la musique, toucher une guitare. C'est tout. Puis après, ben, c'est l'opportunité d'en avoir une, parce que, comme par hasard, les deux vous demandent exactement la même chose, c'est-à-dire beaucoup de pratique. Pour pouvoir progresser. Si vous avez une guitare,
même sans un instructeur et que vous êtes jeune, vous finirez par jouer de la guitare. Si vous avez un ballon de foot ou quelque chose qui y ressemble, eh bien, vous finirez par jouer au foot. Et donc, c'est la répétition qui fait de vous quelqu'un d'habile pour reproduire les gestes, pour trouver les accords. Et puis, plus tard, vous rencontrerez forcément un maître qui va donc vous apprendre les fondamentaux de la musique et vous amener plus loin. De la même manière que vous rencontrerez un entraîneur qui vous apprendra que jouer au foot, c'est pas courir avec le ballon, c'est pas dribbler tout le monde, et ainsi de suite. Donc, voilà. L'ex-gardien des Lions Indomptables du Cameroun est très porté sur les questions de football, tout naturellement. Dans son long parcours de footballeur professionnel, Joseph Antoine Bell a aligné des succès. Son salon est une espèce de galerie qui raconte aux visiteurs l'épopée de l'icône. J'ai appris à comprendre ce qui se passe, à comprendre déjà ce que c'est que le foot. Et ce n'est pas devenu ma passion, mais je suis, parce que c'est son travail, donc je suis au courant de tout. J'aime plus ce qui se passe autour du foot même, en plus, que sur le terrain. Je suis toujours celle qui gronde, mais il n'a jamais levé la main sur un de ses fils, jamais. Et quand ça ne va pas, vraiment quand il faut, il appelle, il lui parle calmement, ce que moi, je n'arrive pas à faire. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un de coléreux. Il a une maîtrise de soi qui... Enfin, c'est étonnant. Il s'emporte vraiment. Il a, ouais. Tu vois, par rapport à l'éducation des enfants, c'est ce que je peux vous dire. Donc, une autre vie à la maison, c'est pareil. Moi, je m'énerve hein, quand ça va pas, pardon. Je ose la voix, je crie. Et les enfants savent ça. Maman, voilà, c'est maman qui... Et papa. Et puis, du coup... Quand il appelle un de ses fils pour lui parler, le petit, il est inquiet parce que papa gronde pas, donc et ils écoutent quand ils disent quelque chose. Les employés de l'ancien lieu indomptable admirent surtout son humilité, son sens de la compréhension. Etienne Landré Pangob, son chauffeur, a quelquefois des soucis avec la ponctualité. Il témoigne. Au début, au tout premier cri. Quand j'arrive toujours, je prends quand même la peine de l'expliquer le pourquoi. Il aime surtout quand je suis en retard, même si on a un rendez-vous importé, il faudrait qu'il l'informe même 1 minute, 10 minutes en avance. Là, il comprend le pourquoi, le retard. Même si j'arrive dans le retard et qu'il n'est même pas, qu'il aime, il m'attend, il va se fâcher, mais c'est pour quelque temps. Et puis, si je parviens à l'aise, il n'aime pas le mensonge, et surtout. Quand vous lui dites la vérité, il comprend que c'est la vérité, il vous comprend. C'est un bon patron. Donc, je travaille depuis 15 ans ici. Donc, j'ai déjà fait 15 ans avec lui. C'est un bon patron. L'un des anciens coéquipiers de Jojo à Oryx et Éclair de Douala voyait déjà en lui un talent hors du commun. Pendant les congés, on n'avait rien à faire. On jouait dans les interquartiers. Et nos clubs même étaient en congé. Donc on était obligé d'être performant. Quand Joe jouait, a commencé dans l'Éclair, tous ceux qui le voyaient savaient qu'il allait être un grand gardien de but. Tout le monde savait qu'il allait être un grand gardien de but. Gardien de l'équipe nationale lors de la première Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun remporte en 1984, Joseph Antoine Bell ne sera pas aligné en 1990 au Mondial italien malgré sa convocation. Il est accusé d'indiscipline pour avoir mené ses coéquipiers à bouder les primes qu'il trouve insignifiants. Thomas Liby, défenseur et coéquipier de Joseph Antoine Bell à l'époque, parle d'une injustice historique. Pour moi, ce que Joseph a vécu en 90 était quelque chose de malsain. Parce que je pense quand même que si déjà on nous proposait 300 000 de primes de participation, 600 000 de primes de participation et 300 000 francs de primes de match, et qu'il a pu quand même, grâce à sa grande gueule, comme tout le monde le dit, ramener la prime à 3 millions
prime de match et à 6 millions en prime de participation, je pense que c'est quand même grâce à son combat. Donc je ne pense pas qu'un combattant devrait toujours être tiré de côté parce qu'on pense que pour les intérêts propres de certaines personnes, que les gens pensent toujours pouvoir tuer les autres. Je ne pense pas. Je pense que le football, c'est un travail, donc il ne faudrait pas qu'on prenne des footballeurs pour vous démontrer rien. L'âme de meneur de troupe, Kenkan Jojo à cette époque, sans forcément être capitaine, François Omambigi pense que le rôle en valait la chandelle. Même si Omam regrette qu'il a été traité comme un indésirable. On a attribué tout le mauvais rôle à lui et malheureusement, il a payé cash. Mais ça a été quand même quelqu'un très important dans le groupe. Puisqu'on a vécu cette Coupe du Monde, malgré qu'il n'a pas joué, il a vécu en tant que sportif de haut niveau, en tant que Lion indomptable, et il a soutenu l'équipe jusqu'à la fin. Et je me rappelle aussi d'un petit conseil qu'il m'a donné en 1994, quand une première liste sort, il y a eu une manifestation ici au Cameroun. Après, il y a une deuxième liste qu'on veut sortir, dont mon frère était parmi, et il m'a donné un conseil que d'ailleurs je garderai en secret, mais je le remercie de ce conseil. Il est sur le plateau, il va certainement suivre. Ouais, il va se rappeler en 94, quand la deuxième liste pour faire partir des gens et faire revenir ceux qui étaient partis. Donc, il m'avait dit de faire quelque chose que j'ai fait et ça a marché pour moi. Une carrière locale et internationale bien remplie, avec un passage très remarqué à l'Union de Douala, dans le championnat français, à Saint-Étienne, à Bordeaux, mais surtout à l'Olympique de Marseille. Score pour les Girondins de Bordeaux à la 25e minute et c'est Uwe Reinders qui est chargé d'exécuter la sanction que l'on dit suprême. Voilà, c'est parti. Et il arrête, Antoine Bell l'arrête. Oh oui. Joseph Antoine Bell arrête. Et vous avez vu, il est parti avec les mains derrière le dos, Antoine Bell, pour maintenir son équilibre. Vous allez voir cette façon, il est resté figé. Il n'a donné aucune indication à Uwe Reinders sur l'endroit où il allait frapper. Regardez, les mains derrière le dos, et au dernier moment, il les sort de derrière le dos. Joseph Antoine Bell affiche depuis peu l'ambition de diriger la Fédération Camerounaise de football. Consultant pour plusieurs médias internationaux, je suis avec attention les moindres développements de l'actualité nationale et sportive en particulier. Le 13 minutes inside avec notre invité de cet après-midi, Joseph Antoine Bell. Et donc, Dona Brice Kamgan nous a rejoint sur ce plateau. C'est le lieu de dire merci à Dallas Tiana, Dona Brice également, à l'équipe qui est descendue sur le terrain pour cet élément. Merci à Yaoundé, Aïk Cyril, Marcelin Ganson, Rodrigue également. Ils sont nombreux. Dona Brice, bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, Esther. Je voudrais ajouter à votre liste Joanne, qui est notre correspondant dans le département d'Union et Télé et qui nous envoie les éléments. Voilà, d'accord. Ça va, Dona? Ça va très bien. Nous avons réussi pour la première fois à faire parler de Belle à la télévision. Elle nous a dit qu'elle n'aime pas beaucoup la télévision, mais nos presses, vos d'arracher quelques mots à féliciter Belle, qui n'aime pas beaucoup la caméra, mais elle a parlé. Oui. Exercice là. Et Belle a écouté. Voilà, il était surpris tout à l'heure, de temps en temps, il disait « Ah, il faisait des mots !» Il dit qu'il s'étonnait, oui. Parfois. Oui. Lui-même, il ne savait pas que son épouse allait parler parce qu'elle est souvent en arrière-plan, ministre de l'Intérieur qu'elle est, n'aime pas beaucoup être devant les caméras. Elle dit qu'à la maison, c'est elle qui crie, hein, alors que lui, il est très tempéré. Oui. Quand il faut au saut de temps, c'est elle parce que monsieur, lui, il est là, il appelle, il fait les choses de bobo, comme on dit souvent. Mais quand il parle, les enfants écoutent parce que papa ne se fâche pas bien beaucoup. Bien sûr, c'est papa. Lorsqu'il interpelle l'enfant, l'enfant sait qu'il y a forcément un souci. D'accord. Okay. Et donc, il est très attentif. Mmh. Ok, voilà. Joseph Antoine Bell, il y a cette affaire de 90 qui revient. Qu'est-ce qui s'est passé
Vous n'étiez pas en odeur de sainteté avec le ministre Fofé à l'époque, Abel Bengué et les autres? Pour être convoqué et ensuite ne pas être aligné. Non, le ministre Fofé, je ne crois pas que c'est comme ça que ça se présente réellement. Je suis convaincu que si le ministre Fofé était là aujourd'hui et s'il avait voulu dire toute la vérité, il aurait reconnu qu'il a été manipulé. Par qui? Justement par son entourage, par des forces obscures, aux desseins obscurs, aux desseins inavoués. Parce que le ministre Fofé était déjà ministre en 88, lorsque nous avons gagné la CAN au Maroc. Et le ministre Fofé sait que, encore une fois malheureusement, il est aujourd'hui définitivement parti. Mais en 88, je me rappelle très bien qu'entre, je pense, c'était la demi-finale et la finale, nous étions à un match, je ne sais plus lequel, où nous étions spectateurs, et j'étais assis à côté de lui, et il y avait déjà un début de, ou un soupçon de quelque chose qui aurait pu mal tourner, et le conseil que je lui ai donné alors, il l'avait suivi, tout s'est bien passé, on a remporté le trophée. Donc, en 90, il m'est difficile de dire que Fofé n'était fautif que parce qu'il était le chef du département. Mais il y a eu, s'ils avaient été des gens d'honneur, mais si quand on est des hommes d'honneur, on ne fait déjà pas certaines choses, on ne fait pas des complots contre un footballeur. C'est qu'il s'est passé à Yaoundé que certains depuis... Vous parlez de complots, hein? Oui, oui, absolument. Parce que dès qu'il y a deux, trois personnes qui prévoient de faire, de mener une action contre quelqu'un, il s'agit de complot. Et donc, depuis novembre, au moment de la qualification... il faut dire les choses comme elles sont. Certains au Cameroun aiment la division. Donc, l'histoire du Cameroun fait que ceux qui aiment la division aiment bien opposer Douala à Yaoundé. Et que dans cette manière de voir, eh bien, tout joueur qui venait de Douala, qui n'avait donc pas d'attache à Yaoundé, est mal vu. Et ces gens-là sont les premiers, regardez-les, même aujourd'hui encore, ils aiment faire des commentaires grossiers, grossièrement falsifiés pour coller éventuellement à l'actualité politique et à arriver à influencer négativement les choses. Donc, il est facile de dire d'un type qui joue à l'Union de... qui jouait, parce qu'en plus, le pire, c'est que ces gens-là sont tellement accrochés à leur fantasme que je suis parti en France en 79 et nous sommes en 90. Et mais ils se rappelleront, je suis joueur de Union de Douala, comme un Oumam sera un joueur du canon, comme Thomas Kono sera joueur du canon, alors que nous sommes partis depuis très longtemps. Voilà, donc ces gens-là continue le combat Douala Yaoundé. Et c'est comme cela qu'un type comme moi, qui n'ai donc jamais joué dans un club de Yaoundé, et qui plus est, a la malchance de pouvoir aligner deux phrases correctes, on va vous dire qu'il joue pour les Bamléké, il est Bassa, et il est rebelle parce qu'il peut aligner deux phrases correctes. Donc du coup, on en fait un ennemi politique qui est totalement artificiel. Voilà, donc on fabrique une chose pareille. Et donc, dès la qualification, vous êtes jeune, mais d'autres ont peut-être vécu ça, ils s'en souviendront très bien. En 90, ou même en 94, ces gens-là vous disaient, mais non, Bell, c'est pour les Coupes d'Afrique, c'est pas pour la Coupe du Monde. Pour essayer de diminuer simplement ma réussite et mon palmarès. Donc, lorsque nous nous sommes qualifiés en 89 pour la Coupe du Monde de 90, il y a des gens à Yaoundé qui ont décidé que Bell ne jouerait pas la Coupe du Monde de 90, là, parce qu'il faut, il faut pas faire mentir leur adage à eux qui veut que Bell ne joue pas les Coupes du Monde. Mais cela avait prédit que les histoires de primes, les revendications autour des primes, non, viendraient? Non, pas du tout. Ils auraient fait de toute façon. Ils auraient réussi le coup, si je dois vous dire. Comme on a deux heures, je peux, par la grâce, aujourd'hui. Si on était en trompe, peut-être qu'on ne parlerait pas. Comme on est accompagné d'une dame, d'accord, on va expliquer. Donc, ils ont décidé que je ne jouerais pas, qu'ils allaient tout faire. Mais ça, l'entraîneur l'ignore.
le ministre Fofé Lignon. Quand vous êtes ministre, c'est un peu comme vous êtes le chef de famille. N'est une mauvaise épouse pour concocter quelque chose avec les gens qui travaillent chez vous et vous, vous n'êtes pas au courant. Vous pouvez toujours vous prévaloir d'être le patron, mais en réalité, il y a des petites mains qui font des choses. Et donc, ces gens-là, ce groupuscule avait décidé que je ne jouerais pas la Coupe du Monde. Et comme vous avez le temps, je vais vous détailler ça. Très bien. Parce que Brice, vous avez... Quelques minutes seulement. Oui. Donc, et qu'est-ce qui se passe donc? Ces gens-là disent à Thomas Nkono de s'entraîner, eux s'occupent du reste. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier chez au moins une personne ou deux. Lorsque Nepomniachtchi en Yougoslavie fait sa liste, il y a encore William Andem, qui est quatrième gardien. Et donc, Nepomniachtchi demande à Tommy s'il ne voit pas d'inconvénient à être deuxième gardien. S'il voit un inconvénient, il peut choisir de rentrer et à ce moment-là, on garderait William Andem. Mais vous, vous n'aviez pas de problème avec Tommy. Hein? Non, mais même aujourd'hui, j'ai pas. Mais ça, là, cette histoire, c'est là le problème. C'est les gens au petit cerveau déplacent les problèmes. De raconter ça comme ça, lui, il est bénéficiaire, mais il n'est pas mon ennemi. D'accord. Il est juste le ressort. Ça n'a pas dégradé non plus vos relations. Non, pas du tout. Vous avez entendu François Omambi vous dire que je suis resté soutien de l'équipe jusqu'au bout. Donc, non, c'est pas, ce n'était pas la faute de Tommy. C'est pas... Alors, depuis plus de 20 ans, Joseph Antoine, vous essayez d'être le président de la Fédération Camerounaise de football vous la première fois. Vous essayiez. vous essayiez. Oui. Ça veut dire que cet épisode-là est derrière vous désormais. Oui, non, il est derrière moi, oui, bien sûr. La première fois, c'est en 1996 contre un certain Vincent Onana. Mm-hmm. Alors, vous estimez quoi? Que vous avez eu beaucoup de soucis sur le terrain, mais vous estimez que... À un moment donné, vous avez voulu prendre les devants, administrer le football. Pourquoi pour vous, ça n'a pas marché lorsque vous faites le diagnostic? La dernière fois, c'était en 2017. Hein? Simplement parce que le football camerounais n'est pas prêt à avoir un président de fédération qui s'appelle Joseph Antoine Bell. Et pour être plus précis, c'est pas qui s'appelle Joseph Antoine Bell, mais qui porte les idées que défend Joseph Antoine Bell. Peut-être c'est plus juste comme ça parce que certains aussi... Comme vous, on peut citer des noms qui ont tenté, mais qui n'ont pas encore réussi à être président de la FECAFOOT. Ah, je ne sais pas, non. Mais moi, mon problème, ce n'est pas les autres. Je vous dis que le football camerounais n'est pas prêt à avoir ces idées-là, le diriger. Vous ne comprenez pas très bien le système FECAFOOT? Ce n'est pas moi qui comprends. C'est plus complexe que... Non. Je n'ai pas envie d'être président de la fédération. J'ai envie que le football camerounais marche. Il faudrait que vous compreniez qu'en 1996, lorsque je me suis déclaré candidat, il venait de se passer deux choses. La première, j'étais venu ici pour un court séjour et un match UCB Tonnerre de Yaoundé, un match de coupe, joué à Douala, avec match retour à Yaoundé. On va découvrir au match retour que le résultat mis sur la feuille, vous n'avez jamais vu une tricherie pareille, que le résultat mis sur la feuille de match n'est pas celui que les gens avaient observé sur le terrain. Vous avez déjà entendu ça? Chez nous, on est fort, c'est-à-dire que c'est terrible. Vous gagnez un match 2-0, vous n'avez pas fait attention, tout le monde s'en va, et puis vous apprendrez deux semaines plus tard qu'en fait, on avait marqué 2-1 sur la... Sur la feuille de match. Bon, donc, j'ai appris à l'époque ce match-là UCB. Heureusement que UCB au match retour à Yaoundé avait fait un résultat lui permettant d'être qualifié. C'est là qu'on découvre qu'en fait, on avait facilité la tâche au Tonnerre et que la feuille de match n'avait pas été correctement remplie. Très bien. Première chose. Oui. Deuxième chose, soyez pas pressé, vous avez demandé des explications. Deuxième chose, c'est que ayant passé le diplôme d'entraîneur, j'avais observé le foot camerounais et tout le monde s'est toujours attaqué aux entraîneurs camerounais. Et à l'époque, donc, je me suis rendu compte qu'en fait, les entraîneurs camerounais, il est difficile de les critiquer réellement. Parce que pour entraîner une équipe, vous devriez connaître
le calendrier. Et un calendrier est fixe. On joue quand? On joue où? On joue contre qui? Ce sont des choses que les entraîneurs camerounais n'ont pas. Donc, c'est élémentaire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais on ne peut pas critiquer les entraîneurs si l'organisation ne leur donne même pas la base pour travailler. Parce que l'entraînement a une programmation scientifique. On ne fait pas la même chose le lundi que le mardi. On ne fait pas la même chose à moins 4 jours qu'à moins 3. On ne fait pas la même chose à moins 5 jours qu'à moins 2. Donc, si vous ne savez pas quand vous allez jouer, comment entraînez-vous correctement vos enfants? Donc, ce n'est pas possible. Et donc, ces deux choses-là m'ont amené à dire c'est à la tête qu'il faut changer quelque chose pour que notre football marche mieux. La tête, c'est-à-dire? La tête de la Fédé. Chez vous, la tête se trouverait au pied. Je voulais nous rassurer. En 2017, lors de la dernière élection, on vous aurait proposé de retirer votre candidature contre un poste. Oui. C'était technique. Oui. Dis-nous plus. Mais évidemment que je n'ai pas accepté. Je peux citer les personnes qui ont proposé ça. Ne le faites pas. Très bien. Vous étiez au Grand Dialogue National, en fin septembre, début octobre. Oui. À quel titre? Mais je ne sais pas si c'est ma personne qui attire les questions à la regard différent. Si vous voulez demander à quel titre, vous demandez à celui qui écrivait les noms. Et qui vous a invité. Oui, voilà. C'est comme là. Personne ne peut me demander à quel titre je suis invité à Equinox. C'est à vous qu'on doit demander. Mais pourquoi vous l'invitez? Moi, je suis juste invité. Vous ne participez pas, vous y étiez. Et moi, je suis invité à participer au Grand Dialogue. Et vous, au lieu d'aller demander à celui qui l'organisait, pourquoi de tous les Camerounais, il a choisi Joseph-Antoine Bell, vous venez me demander pourquoi il m'a choisi? Est-ce que quand il y a même, je vais dire quelque chose, c'est peut-être macabre, mais quand il y a un mort, on peut encore lui demander pourquoi Dieu l'a choisi? C'est à Dieu qu'il faut demander pourquoi il a choisi celui-là. D'accord. Alors, un peu plus d'un mois après ces assises, Joseph-Antoine, quel bilan est-ce que vous en faites? Non. Aujourd'hui, on s'apprête plutôt à voir quelles sont les mesures qui sont mises en œuvre. Tout ça entre dans le bilan. Le bilan, lui, il avait été fait et il a été fait et remis à qui de droit. Maintenant, je sais qu'on est prêts chez nous Donat Brice, Joseph Antoine, on va marquer un stop, le temps pour nous de marquer justement une pause. On va vous retrouver après, avec votre permission. 1994, près de 20 ans passés à l'équipe nationale, il est avec nous ce dimanche. Et avant d'aller prendre la petite respiration, on était avec Donat Brice Camgan. Donat, la suite. Oui, la dernière pour la route, je parlais du dialogue national et du regard que vous portez sur ces assises. Vous disiez qu'on est dans l'attente de l'implémentation de ces recommandations. Oui, bien sûr. Et j'ai entendu aussi beaucoup de choses. Seulement, on a oublié que tout de suite après la tenue du Grand Dialogue National, le président de la République a dit qu'il avait enregistré, compris, et qu'il s'attellerait à faire en sorte que ce qui a été recommandé soit fait dans la mesure du possible. C'est-à-dire, vous avez ce qui est possible juridiquement, puis ce qui est plus possible financièrement et au fur et à mesure, tout n'est pas possible le même jour. Et c'est vrai que nous faisons comme si on était dans notre foyer où on peut décider de déplacer un verre. Mais lorsque vous devez prendre des actes qui sont de nature juridique, il faut les habiller. C'est pour cela que, évidemment, on s'attend à ce que des lois soient votées à l'Assemblée qui permettent certaines choses, que des textes soient pris, et ainsi de suite. Mais moi, je n'ai aucun doute que les recommandations du Grand Dialogue National seront prises en compte. D'abord parce qu'il a été voulu par le chef de l'État, il n'y a donc pas de raison que ce qu'il a voulu le rejette lui-même. Ensuite, parce que l'esprit du Grand Dialogue National, c'est, on ne peut pas être dedans et à l'extérieur. Mais dedans, ce que j'ai vu, c'était des Camerounais qui ont montré consciemment ou inconsciemment qu'ils étaient réellement des frères. C'est-à-dire que même ceux qui
jusque-là étaient réellement, franchement opposés. Au bout d'un certain temps, étaient totalement détendus. Les gens avaient envie de parler aux autres. Les gens avaient envie de pousser ensemble dans la même direction. Donc moi, j'ai été plutôt très rassuré par ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, le comportement des uns et des autres. Si je devais prendre un exemple, je dirais que la perception de tous, jusqu'au grand dialogue, c'était que le cardinal Toumi était un opposant, non seulement opposant, sécessionniste, extrémiste même. Or, le cardinal Toumi, je le connaissais avant, mais là aussi, on s'est revu, on a parlé, et j'ai noté, par exemple, que lorsque le cardinal Toumi a pris la parole à l'ouverture de Grand Dialogue, pour ceux qui attendaient qu'il mette le feu, il a tenu un discours digne et de sa qualité et de son âge, et il a raconté sa propre expérience. C'était quelque chose. Tout le monde pensait que le sénateur Moukété était un flingueur. Le sénateur Moukété a pris la parole, a dit des choses extrêmement sincères, poignantes et vraies qui montraient la voie. Le cardinal Toumi m'a dit, il n'y a pas besoin de le cacher, il m'a dit, si ce n'était pas moi-même, c'est-à-dire lui, le cardinal, j'aurais pensé que le président m'a copié. Il me dit, ce que le président fait là, c'est ce que j'avais prévu. Et il m'a donné sa propre brochure, un résumé de ses 400 pages, en disant, voilà ce que j'avais en tête et voilà ce que le président fait. Donc, moi, je ne doute pas qu'on puisse arriver à ce qu'on recherche, c'est-à-dire que les Camerounais sachent vivre ensemble, en se rappelant que la guerre commence un jour, mais l'arrêter est toujours un problème. Très bien. Voilà. Beaucoup estiment que l'attente est trop longue après le grand dialogue national. Bon, ça c'est autre chose. En tout cas, après ce dialogue, le corps électoral a été convoqué pour les municipales, les législatives, prévu le 9 février 2020. Oui. Vous êtes un homme politique, on ne le dit pas souvent, militant du RDPC. Vous avez été candidat en 2013 à la mairie de Ngambé. Non. Quand vous dites ça, il y a toujours une espèce de malentendu. Préciser que j'étais dans une liste. Parce que quand vous dites ça, c'est comme si je voulais être maire d'un Gambetta. Vous étiez dans la liste. Voilà, un scrutin de liste. Voilà. Pour, pour ce double scrutin qui a été annoncé, est-ce que vous avez fait candidature? Est-ce que vous êtes dans une liste? Non, je ne suis pas du tout dans une liste. Mais, pourquoi? Mais parce que la dernière fois, je n'y étais pas non plus. On m'avait inséré dans une liste. La dernière fois, j'étais un faiseur de paix. Et c'était malheureusement la semaine où Louis Paul Fédé était décédé. Et c'était le jour de sa levée de corps. J'avais dû partir à Yaoundé. Ça s'est arrangé dans mon dos et on avait estimé que je devais faire partie de la liste. Mais je n'étais pas candidat à faire partie de la liste. Et donc cette fois, j'ai remis ça. Je ne suis pas candidat. Je soutiens que la mairie de Ngambé se porte mieux et qu'elle soit dirigée par quelqu'un de compétent, par quelqu'un de capable, et notamment par quelqu'un du RDPC là-bas. Mais ça ne fait pas de moi un candidat à la mairie. Je vous remercie. Merci également à toi, Madrice. C'est moi, Esther. Bon dimanche, on va se retrouver certainement le dimanche prochain. Un salut à Rodrigue Gassi, Joël Niem et tous ceux qui ont contribué, à Cyril et tous les autres contributeurs de ce 13 Midi Insight pour ce dimanche. D'accord. À dimanche prochain, Donald Wiskamka. À dimanche. Alors, Joseph-Antoine, ça vous arrive souvent d'écouter la musique? Oui, bien sûr. Vous dansez souvent aussi? Danser, oui. Sur quel rythme, par exemple? Oh non, mais la musique traditionnelle? De tout, de la même les manière CO-R, qu'on écoute. De la même manière la qu'on sico. Écoute. Tout ce qui est musique, c'est harmonie. Donc quand elle est bien conçue, quand elle est harmonieuse, elle est bonne pour l'oreille et quand elle est bien rythmée, elle est bonne à danser. D'accord, ok. Nous allons maintenant vous proposer cette musique.
Donna Brice, avec ta permission, on va vous proposer maintenant à vous, très chers téléspectateurs, cette belle chanson. C'est un jeune artiste musicien camerounais. Il est sur le plateau B de dimanche avec vous. Brice N, c'est son nom, et ça permettra naturellement à notre invité de cet après-midi de donner son point de vue et de danser, pourquoi pas. Et vous pouvez faire la même chose hein, à la maison. Faites simplement de la place si vous en avez envie. Danser, sauter, crier comme vous voulez. C'est dimanche, voilà. Donald Brice. Un Brice peut cacher un autre. Brice N, c'est son nom. Il fait une chanson. Hein. Je vous propose cette chanson à l'instant. Brice M avec la chanson Mon mari. Mon trompe mental, les hommes. Alors, Ben Joseph Antoine, vous avez écouté cette chanson. Quel oui. commentaire? Non, c'est un très bon rythme. D'ailleurs, il a prouvé lui-même en dansant. Mais les paroles aussi doivent probablement être justes, puisque s'il le dit, c'est que. Soit il a vécu, soit sa sœur lui a raconté. Mais moi, depuis que je suis marié, je n'ai pas voulu en sortir. Et je pense que Félicité non plus. Donc, mais dans la vie, il faut avoir toujours une certaine humilité. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas malade qu'il faut dire que les médecins ne doivent pas exister. Vous n'êtes pas malade, mais les médecins existent et vous les encouragez à bien travailler. Donc, vous êtes bien marié. Ce n'est pas pour ça que vous ne pourrez pas comprendre les pleurs et les cris des autres. Parce que là, ce que j'ai entendu, c'est une sœur qui crie parce que... Son mari est un mouton. Voilà, qui est dedans, mais qui veut être dehors et qui ne rentre pas et qui ne traite pas correctement sa femme. Donc, oui, mais... C'est... Moi j'ai vu, j'ai apprécié le dégagement de Belle Joseph Antoine. Alors Belle Joseph Antoine revient. Vous vous retrouvez à l'équipe nationale du Cameroun. Je suppose que comme tous les autres, vous savez, peut-être aujourd'hui j'entends des rumeurs d'achat de place ou de choses comme ça, mais logiquement, tous les joueurs, à un moment donné, commencent à rêver d'être en équipe nationale. Vous jouez pour ça, vous progressez, vous dites « est-ce qu'on me voit ?» et vous vous battez. Aujourd'hui, vous vous battez. Vous vous battez, en fait, vous vous entraînez de plus en plus sérieusement. Vous êtes concentré dans ce que vous faites et vous réussissez des choses. Et vous vous dites « mes performances mériteraient peut-être que le sélectionneur regarde de mon côté ». Et ça, ce moment-là est plus ou moins long selon les individus. Et quelquefois, comme c'est un problème de compétition, vous n'êtes pas tout seul. Donc, le sélectionneur peut avoir vu d'autres joueurs, puis un jour, il arrive à vous. Et donc, moi, première fois, c'était en 75. En 75, et je me rappelle très bien comme si c'était hier, le secrétaire général de la FECAFOOT qui s'appelait M. Etatoke Albert. Je jouais un match au stade Omnisport de Douala. Et lui, il est passé derrière mes buts. Parce qu'à l'époque, c'est pas aujourd'hui où il y a Internet. On envoyait des convocations physiques, puis on annonçait à la radio. Et là, lui... il avait ma convocation venant à Douala et donc il m'a dit derrière les buts qu'il l'avait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a connu au lycée, il était enseignant, ou alors c'était juste le hasard et une petite faute, parce que d'annoncer ça à quelqu'un qui est en plein match peut aussi le perturber. Voilà, mais bon, comme il ne m'a pas perturbé, je suppose donc qu'il n'attendait pas moins de moi, peut-être. Voilà. C'est comme ça que vous retrouvez l'équipe nationale. Oui, c'est comme ça. Et donc, à l'époque, l'entraîneur national s'appelait Vladimir Béara. Voilà. On les appelait Yougoslaves à l'époque. Aujourd'hui, l'État de Yougoslavie, la Fédération de Yougoslavie a explosé. Donc, mais voilà, c'était un...
C'était un bon entraîneur, quelqu'un qui avait lui-même connu la Coupe du Monde et qui était gardien de but quand il était plus jeune. Mmh. Il avait les mains libres, lui, ce sélectionneur, Vladimir. Parce qu'aujourd'hui, on parle de clans dans la sélection, les influences et tout. Voilà, Vladimir Béhara est un homme qui avait du caractère, comme devrait l'avoir tout ancien footballeur professionnel qui a réellement réussi. On doit être constitué d'une certaine façon. On sait qu'il n'y a pas de compromis avec la règle. Parce qu'on doit avoir retenu de sa carrière que lorsque votre corps est mal positionné, votre frappe sera mauvaise. D'accord. Lorsque vos épaules ne sont pas bien dirigées, votre frappe ne sera pas bien dirigée non plus. Vous allez rater. Donc, bref. Et donc, ce n'est pas la peine de s'acoquiner des méthodes ou des pratiques qui sont en réalité vouées à l'échec. Et ce monsieur, vous avez raison de poser la question, ce monsieur avait fini par s'en aller alors qu'il faisait du bon travail parce qu'il ne supportait pas et l'amateurisme et les interventions des uns et des autres dans son travail. Donc finalement un jour en janvier, je crois bien janvier 1976, février 1976, il est parti, il était arrivé en 1974, il a dit qu'il partait en vacances en Yougoslavie et il n'est jamais revenu. D'accord, ok. Il n'est jamais revenu. Alors, votre premier match à l'équipe nationale, vous vous dites quoi, Bel Joseph Antoine? Je dois faire une bonne impression, je dois me préparer mieux que davantage. Est-ce que j'aurais besoin d'une potion magique pour pouvoir impressionner les gens? Votre premier match à l'équipe nationale? Non, normalement, vous vous entraînez pour être bon en match. La potion magique, c'est l'entraînement. Lorsque vous êtes... C'est un peu comme à l'école. Celui qui a bien suivi les cours et qui a bien révisé vient à l'examen en dehors du track de deux premières minutes. Après, ça va parce qu'il sait qu'on ne va l'interroger que sur des choses qu'il a vues. Et donc, lorsque vous êtes bien entraîné, vous savez que vous êtes en forme et que si vous êtes gardien de but, oui, vous pouvez prendre un but, mais vous seriez comme moi en sachant que vous ne prenez pas de but, c'est votre équipe qui prend des buts. Si vous êtes joueur, vous savez que vous pouvez rater une passe et vous direz alors une maladresse, ça arrive à tout le monde. Mais c'est plusieurs maladresses qui ne pourront jamais vous arriver lorsque vous êtes en forme. Donc c'est comme ça qu'on aborde les choses psychologiquement quand on est bien. Maintenant, si tout le monde ne le fait pas, et c'est pour ça qu'il y a des couacs. Mais j'ai joué... Avant ça, nous sommes allés en Zambie, où on a, c'était en réalité une spécialité africaine, une tricherie bien camerounaise. C'était une sélection du Cameroun qui jouait à la place du Tonnerre de Yaoundé. Et nous sommes allés en Zambie rencontrer une équipe qui s'appelait Mufulira Wanderers. Mais le premier match que j'ai réellement joué, c'était, je ne sais pas si c'était prémonitoire, c'était en Cameroun-Saint-Etienne à Douala, à l'époque où le Cameroun pouvait encore se permettre d'inviter des grands clubs professionnels. Saint-Etienne était la meilleure équipe française de l'époque. Et le Cameroun pouvait se permettre d'accueillir ici la Saint-Étienne. Je ne sais pas, est-ce que c'était aussi un peu de destinée, puisque plus tard j'ai joué à Saint-Étienne. Donc lorsque j'arrive en France, je rencontre des gens qui étaient venus au Cameroun, Saint-Étienne, Paris Saint-Germain, Reims. Donc voilà, j'entre ce jour-là. Et à mon premier match, c'était un demi-match, je n'ai pas pris de but. Donc. Et le deuxième encore, c'était à Yaoundé, Saint-Étienne, toujours Cameroun-Saint-Étienne, 0-0. Voilà. D'accord. Bel Joseph Antoine. Je vais vous donner quelques noms. Vous allez me dire ce que ces personnes-là représentent pour vous et si ça s'est toujours bien passé ou pas avec ces personnes-là. Mais avant, dites-nous, c'est pour que tu aies des gardiens de but lorsqu'il rentre dans le stade. Aller regarder les buts, sillonner, regarder. C'est quoi? Dites-nous un peu. Non, mais je ne sais pas s'il y a un rituel, mais chacun essaye de se sentir à l'aise, que ce soit en gardien de but, au milieu de terrain ou en avançant. Chacun se sent à l'aise et la logique veut que vous ayez visualisé ce que vous allez faire. Je parlais de l'élève tout à l'heure, de l'étudiant, mais bon.
prenez votre cartable, vous vérifiez que vous avez tout. Et bien le joueur qui rentre sur le terrain, lorsqu'il est gardien de but, sa première inquiétude, c'est de regarder l'endroit où il va évoluer. Donc les buts, donc voilà les buts, la surface de réparation, l'état de la surface de réparation, les filets, parce que il pourrait toujours arriver que un ballon ne soit pas rentré mais qu'il soit dans les filets. Il faudra donc on fait son propre contrôle pour être sûr que les filets ne sont pas percés, et comme ça on n'aura pas l'air con. Si on prend un but, on a pris un but, c'est pas, on va pas dire le ballon est passé par derrière. Donc voilà, on regarde tout ça et puis voilà. D'accord. Le premier nom, c'est bien sûr Sam Séverin Angot, que je vais vous donner. Sam Séverin Angot, que pensez-vous? Rien de particulier. Je crois que aujourd'hui, ce monsieur, mais que j'ai connu il y a très très longtemps comme jeune homme, qui était journaliste. Je ne sais pas s'il l'est toujours. Il l'est toujours. Oui. Bon, mais voilà, c'est un. C'est vrai qu'il a des ambitions politiques aussi, mais il est toujours. Voilà. Mais comme on est resté un petit peu longtemps dessus, il me revient juste peut-être une petite anecdote. C'est précisément qu'un jour, à une conférence de presse à l'hôtel Sawa, Sam Séverin Angot rappelait aux autres journalistes qu'il avait eu, pour son malheur ou pour son bonheur, je ne sais pas, la possibilité de se retrouver à l'étranger avec moi et de voir à quel point j'étais regardé autrement par les étrangers. C'était une façon de rappeler finalement à ses confrères que les attitudes qu'ils ont, en commençant par lui, parce que lui-même a eu ces attitudes-là, il faudrait qu'ils apprennent à respecter les gens. D'accord. Ok. On va parler de l'ambassadeur itinérant maintenant, Roger Mila, son Excellence. Roger, c'est mon frère parce que aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait une cinquantaine d'années. Donc on a joué ensemble tout petit. On n'a pas seulement fait que jouer. On a marché ensemble. On s'est baladé ensemble. On se connaît. Très très bien, on s'est amusé ensemble, on a gagné ensemble et je me rappelle de deux choses. La première, c'est quand il est allé au Léopard et que moi, de l'éclair, j'étais allé au RIX. Mon père m'avait un peu chahuté en disant, mais maintenant, comment vous allez faire? Vous allez donc jouer l'un contre l'autre. Évidemment, c'était une banalité. On joue forcément l'un contre l'autre à ce moment-là. Mais c'était pour dire que ils nous voyaient tellement ensemble que ça paraissait inimaginable qu'on joue dans deux équipes différentes. Soit dit en passant, d'ailleurs, pendant qu'il était au Tonnerre, il voulait que j'aille au Tonnerre. Ensuite, c'est qu'on a remporté la première CAN ensemble en 84 en Côte d'Ivoire et que on en avait bien conscience, c'est-à-dire qu'on avait fait beaucoup de chemin entre les interquartiers, championnat deuxième division, championnat scolaire et universitaire. Et puis là, être là le jour où le Cameroun remportait son premier trophée international, nous étions bien conscients qu'on avait écrit l'histoire. Et heureusement, il y a un journaliste, je pense qu'aujourd'hui il est décédé, qui s'appelait Francis Huertas de France Football, qui était correspondant de France Football en Argentine, qui avait écrit que le Cameroun devrait nous dresser une statue. Même s'il n'y a pas de statue, je sais quand même que finalement, les Camerounais nous regardent quand même de manière spéciale. Et moi aussi, je regarde Roger de manière spéciale. Ça fait toujours quelque chose. Et puis, il y a une anecdote, même quand on le... Quand soi-même, on ne voit pas, les autres vous rappellent. Il y a eu un entraîneur camerounais, Philippe Redon, qui a été désigné. Donc, lorsqu'il a signé son contrat, il est venu me voir à Saint-Étienne. Et ce monsieur m'a ouvert les yeux, si tant il est que je pouvais les avoir fermés. Il m'a dit, bonjour, je viens te voir parce que j'ai l'intention de rappeler Roger en équipe nationale. On est en 92. Il me dit, parce que j'ai regardé, et c'est ça la magie des Blancs, j'ai regardé toutes les statistiques
Et je me suis rendu compte que le Cameroun fait de bonnes compétitions quand il y a ces deux noms-là. Je n'avais pas encore observé, je jouais simplement, mais lui, il avait déjà observé, il a dit partout que vous jouiez ou pas, mais j'ai regardé que ceux, les deux noms qui reviennent chaque fois que le Cameroun s'est bien comporté à une compétition, il y avait ces deux noms. Donc, je suis en train d'aller au Cameroun et je lui avais dit, bon, Roger venait de s'arrêter, il faut essayer d'aller le convaincre. Quand on s'arrête, le plus dur, c'est de venir à l'entraînement. Il faut d'abord vérifier que Roger peut encore tous les jours venir à l'entraînement de l'équipe nationale. Donc, c'est pour dire que c'est réellement quelque chose d'ancien, de profond. On a gagné, on a vécu, on a fait des choses. Il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure dans le témoignage, là, le Herman Tonga, là. Et il était aussi, il nous connaît bien tous les deux. Oui. C'est, oui. Ok, Jean-Paul Akono. Magnusson. Aujourd'hui, c'est vrai que le temps, vraiment le temps, c'est quelque chose d'incroyable parce que vous, comme beaucoup d'autres, ne saviez pas que le Akono dont vous entendez parler là a été footballeur. Il faut donc savoir que Jean-Paul Akono était un international, joueur du canon, un très 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 bon défenseur, un défenseur central. Que moi, je l'ai trouvé, c'est un aîné, je l'ai trouvé en équipe nationale. Il fait partie de ceux à qui je rends toujours un hommage et une certaine révérence, en ce sens que Jean-Paul Akono, Jean-Marie Thiebo, Paul Lend et un autre que vous ne connaissez plus aujourd'hui du tout, qui est décédé, je pense bien, Akua Django, ce sont des aînés qui, eux, étaient là depuis, qui avaient perdu la CAN de 72, mais qui avaient continué quand nous, on arrivait comme jeunes et qui perdaient avec nous au début, au moment où nous, on se faisait les dents, et qui sont partis avant que les succès n'arrivent. Voilà, donc j'ai toujours eu beaucoup de respect à leur égard. Okay. Un autre nom, Thomas Nkono. Oui, ça, c'est un autre complice. Thomas Nkono, c'est celui grâce à qui, je crois, je suis devenu ce que je suis devenu, parce que on n'avait pas forcément d'entraîneur de gardien et c'est la rivalité, ce que les autres appellent rivalité, qui est émulation en réalité, qui m'a permis de travailler et d'arriver où je suis. Et ça ne se sait pas beaucoup, mais Tommy et moi, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est-à-dire que n'ayant pas d'entraîneur de gardien, c'est l'un qui entraînait l'autre. On faisait ça, on faisait nos exercices ensemble. Et on s'inspirait l'un de l'autre. Et en tous les cas, moi, quand je jouais à Union de Douala, ce n'est pas mon remplaçant de Union de Douala qui était mon problème. Je travaillais, si on me voyait travailler dur, c'est que je pensais à ce que faisait Nkono au canon. Mmh. Et donc, il fallait être drôlement bon pour pouvoir rivaliser. D'accord. Omambique. C'est un jeune, il est plus jeune que nous, c'est-à-dire plus jeune que Tommy, Roger et moi. C'est un jeune qui a la particularité d'avoir commencé à être bon sous les yeux de tous. C'est-à-dire que moi, je me rappelle que je venais en vacances et M. Mbayen René, qui était à Kamship à l'époque, m'a abordé en me disant Jojo, faudrait peut-être faire quelque chose. Il y a un jeune homme qui monte au pays maintenant, il s'appelle Omambik, je ne le connaissais pas. Et il me dit, je pense qu'il a un avenir. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que François oublie peut-être, mais je suis sûr qu'il ne peut pas l'oublier. Parce que quand on m'a parlé de lui et que je l'ai vu un peu, effectivement, j'ai vu qu'il était si bon que j'avais négocié pour que l'Olympique de Marseille puisse le recruter. Mais à l'époque, quand vous ne connaissez pas, à l'époque, il venait de signer du Puma FC au canon et on lui avait remis 1 million. Et donc, j'ai essayé de le convaincre que son avenir était chez les pros et que même s'il avait bouffé 1 million, j'étais prêt à rembourser 1 million au canon pour qu'il vienne et qu'il me le rembourserait une fois qu'il aurait vu comment ça se passe chez les pros. Aujourd'hui, je peux dire, je me rappelle que lorsque François est allé, d'abord quand il a signé de Laval à Rennes, il m'a appelé pour me donner les sommes. Il était ahuri lui-même de l'argent qu'il touchait.
Et lorsqu'il a signé de Rennes, je crois, à Cannes, il m'a appelé en disant, grand, ce n'est pas possible, ça, c'est pas bon. Donc, c'est pour dire qu'à ce moment-là, je suis sûr qu'il avait oublié l'histoire du million. À l'époque, quand je lui disais que moi, je peux rendre le million au canon pour qu'il vienne, je suis sûr qu'il y a des gens qui lui ont dit, mais Bell ne peut pas rendre le million pour rien, c'est qu'il a quelque chose à gagner. Or, ces gens-là ne savaient pas. Aujourd'hui, François le sait, pour avoir été footballeur professionnel. Il a donc l'expérience et il sait qu'un excellent aide tous les potentiels excellents. À l'école, le prof de maths qui voit un garçon qui est très doué en maths va lui dire ce qu'il faut faire pour la suite. C'est comme ça que ça se passe. Parlant du conseil, il a dit que vous lui avez donné un conseil. C'était ça ce conseil? Non. Je ne le révélerai pas. Si lui qui a reçu le conseil vous dit je ne peux pas révéler cela, mais Joe, il saura, ça veut dire que ça reste entre nous deux. Et je suis sûr qu'il, s'il ne l'a pas dit là, il ne l'a jamais dit à personne. Donc, évidemment. Ça reste vraiment un secret. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Ok, Rigobert Song. Le grand Rigobertson. Oh, Rigo, oui, il a beau être grand, mais c'est un petit pour moi. Rigo, c'est mon fils. Et il est arrivé en 1994 où Rigo avait une énorme volonté de réussir. Une énorme volonté de réussir. Mais ce que je peux dire, pour être bref, c'est que le tout premier contrat de Rigo s'est négocié dans ma chambre à Clairefontaine avant la Coupe du Monde de 1994. Les dirigeants de Metz qui étaient venus, il les a conduits dans ma chambre et c'est avec moi qu'ils ont parlé. Donc voilà. Voilà. Doumbéléa. Doumbéléa, c'était un autre complice, un grand lui, parce qu'il était le libéro de l'Union de Douala et ensuite de l'équipe nationale, et un très, très, très bon joueur, élégant et très, très intelligent, et un grand plaisantin comme tous les footballeurs. Je me rappellerai que en 84, alors que nous étions alignés et que nous écoutions l'hymne du Cameroun, avant le match contre la Côte d'Ivoire, avec tous les problèmes qu'il y avait eu autour de moi avant, il m'avait alors soufflé à l'oreille, Jojo, si tu as la magie, c'est le moment de la sortir. Parce qu'effectivement, je jouais très gros, j'étais controversé. On m'avait cherché des problèmes à gauche et à droite. On m'avait mis dans des conditions impossibles. De telle sorte que si nous rations le match, j'étais un type azigouillé. Et donc lui, il m'a donc montré qu'il en était absolument conscient. Il m'a dit, Jojo, si tu as la magie, c'est le moment de la sortie. Mais je dois avouer que quelque part, mes partenaires, mon calme qu'a décrit mon épouse tout à l'heure, devaient leur faire penser que j'ai quelque chose. J'étais un peu différent. Et donc, ils pensaient que je tirais ma force de quelque chose d'autre. Donc, ils voulaient s'assurer que je n'avais pas oublié ça à la maison. Donc. Que c'était le lieu, ça devait être bénéfique peut-être pour une fois. Pour mais il fallait absolument, et on a gagné le match évidemment, on a fini par gagner la compétition. Donc. Voilà, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeune. La seule chose que je pourrais dire, c'est que il était encore ramasseur de balles lorsque je jouais mon jubilé, donc vous voyez bien que c'est père et fils et qu'il a bien raison de s'appeler fils. C'est tout ce que vous pouvez dire de Samuel Eto'o. D'accord. Merci beaucoup, Joseph-Antoine Bell. On va s'arrêter là pour l'instant. C'est vrai qu'il y a un autre nom, Bernard Tapie. Et puis, Bernard Tapie. Mon ancien président à l'Olympique de Marseille, mais quelqu'un d'agréable à vivre, mais en même temps aussi, comme tous les hommes, chacun a ses qualités, ses défauts. Il a des défauts qui peuvent ne pas être, qui peuvent être rédhibitoires pour certains et pas pour d'autres. D'accord, ok. On va s'arrêter là pour l'instant, on va souffler un peu en musique. Hein. On va vous proposer à présent à vous, Joseph-Antoine Bell, ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui nous regardent en direct live sur notre page Facebook Equinox TV, à vous aussi hein, qui nous regardez devant, qui êtes devant votre petit écran, cette musique. Et juste derrière, on va se retrouver.
bien voilà, merci beaucoup. Hein. Ce sont les rythmes de chez nous. C'est une très belle chanson qui nous a permis naturellement de souffler, de nous détendre un peu avant de continuer notre petite causerie avec Joseph-Antoine Bell. On va parler maintenant de ce glissement de date parlant justement de la Coupe d'Afrique des Nations qui aurait dû se faire au Cameroun. Mais par la suite, il y a eu un glissement de date. Vous, en tant que ancien lion indomptable, vous avez voyagé un peu partout dans le monde entier avec ce beau métier que vous, vous avez choisi, le football, le gardien, le poste de gardien de but. Quand vous apprenez qu'il y a eu glissement de date, que le Cameroun ne peut plus organiser cette coupe-là en cette année, naturellement. Comment est-ce que vous réagissez, vous avez réagi? Mais on est forcément déçus. Quand vous préparez un événement, vous attendez quelque chose, quelles que soient les raisons, lorsque un rendez-vous est remis, vous êtes déçu que ce soit reporté, ça c'est clair. Mm-hmm. Donc j'étais déçu comme tout le monde. Mais la déception est tempérée, elle est adoucie, mm-hmm, parce que on n'a pas supprimé l'événement. Vous avez vous-même dit, vous avez parlé de glissement. Donc le glissement veut dire que vous allez quand même l'organiser, mais un petit peu plus tard. Mais il y a des langues qui disent qu'il y a aussi des chances que ça puisse ne pas arriver. Hein. Oui, mais vous savez que le pire ennemi du Cameroun est quand même le Camerounais. Il n'y a aucun étranger qui a dit ça, ce sont des Camerounais qui disent ça. Mmh. Et puis, vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de mauvais augure. Quand ils disent qu'il y a des chances que ça ne puisse pas arriver, ils ne disent pas forcément pourquoi ça ne va pas arriver. Mmh. Et en disant cela, ils se soustraient eux-mêmes à la collectivité camerounaise. Mmh. Il n'y a aucun Camerounais qui serait fier que la CAN n'ait pas lieu, même si c'est vrai que au moment de l'élection présidentielle en 2018, il y a un candidat, je crois, j'avais entendu ça, un candidat qui disait, moi si je suis élu, j'annule tout de suite la compétition. Je ne sais plus d'ailleurs lequel avait dit ça, mais bon, normalement, personne ne peut dire une chose pareille. D'accord. Parlons justement de cette CAN Coupe d'Afrique des Nations qui aurait dû se passer au Cameroun et du glissement de date. Je vous donne un autre nom, Ian Mohamed. Mm-hmm. Mais il n'a rien à voir dans le glissement de date. Mm-hmm. Donc, Ian n'est pas... C'est l'ancien président de la Fédération camerounaise de football, mais dans la vie, vous n'êtes pas que président de la fédération. Lui, il avait la chance d'avoir un travail par ailleurs. Il était directeur général de l'assaut des cotons. Mmh. Donc, et puis le glissement a eu lieu. Je ne sais pas si vous avez lié les deux, mais M. Ian Mohamed n'a rien à voir avec le glissement. Ahmad, par exemple. Ah, vous continuez à me demander ce oui, que je pense. Oui, bien sûr, ce que vous pensez. Ahmad est le président de la CAF. Qu'est-ce que vous voulez que j'en pense? Quelqu'un qui a remporté une élection et qui se débat à... Comme toujours, vous savez, j'ai entendu, j'ai lu que le président Tshisekedi disait qu'il y a des choses qu'en tant qu'opposant, il ne connaissait pas. Donc, lorsque vous arrivez à la présidence, à la tête de quelque chose, vous découvrez beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas. Et vos critiques envers vos prédécesseurs peuvent être accentuées, comme elles peuvent être désormais relativisées. Mm-hmm. Donc, voilà. Le président Ahmad est maintenant aux commandes et donc il doit affronter des choses soit qui n'ont pas été faites avant et qui auraient dû l'être et qu'il doit rattraper, soit des choses qui ont été faites et qu'il devrait soit redresser, soit alors confronter simplement à des décisions totalement nouvelles et inattendues, à des pressions nouvelles et inattendues auxquelles précisément il n'était pas préparé. D'accord. Nous allons vous proposer un autre élément, le meilleur de la télévision. Mais avant, Joseph-Antoine Bell, vous avez organisé votre jubilé, c'était en 1994. Oui. Mm-hmm. Et c'était une grande fête, à en croire ce qu'il avait vécu. C'était une grande et belle fête. Mm-hmm. De moi aussi, mm-hmm. Voilà.
Oui, c'est une grande fête qui a été organisée ici même à Douala. À Douala. Oui, Douala. À Douala, oui. Mm-hmm. Oui, j'avais choisi de jouer un seul match pour deux raisons. La première, c'est que le stade de Yaoundé à l'époque était suspendu et je n'avais pas voulu demander une dérogation. Ensuite, la deuxième, c'est que le jubilé normal au haut niveau, c'est un événement unique, one shot. Donc, au Cameroun, jusque-là, on avait pris l'habitude de faire les événements toujours en double parce qu'il y avait toujours cette espèce de dualité avec Douala et Yaoundé. Mm-hmm. On n'était pas capable de choisir un lieu. Et puis, il faut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous devriez aider à résoudre ce problème-là. La télé doit pouvoir régler le problème de l'unicité de lieu. Donc, faire votre jubilé, votre match en un lieu et les autres regardent à la télé. Et c'est ce que j'avais fait en 1994. J'avais obtenu que la télévision nationale puisse filmer couvrir totalement l'événement et donc en direct, donc ceux qui étaient à Yaoundé et ailleurs au Cameroun n'ont rien raté. Voilà, il y en a qui accrochent leur godasse en douce, mais vous avez préféré organiser un jubilé. Pourquoi? Non, logiquement, quelqu'un qui a une carrière de 25 ans ne raccroche pas ses crampons en douce parce que ce serait comme si vous étiez passé dans ce monde-là sans laisser de traces. Mmh. Vous ne pouvez pas avoir laissé de traces et partir sans un événement. Regardez, la simple vie, nous l'appelons simple parce que c'est ce qu'il y a de plus naturel chez nous. Pourquoi organisons-nous le deuil? Parce que c'est le départ de quelqu'un. Le jour où il s'en va, le jour où il s'arrête de vivre, on lui fait la fête. On fait quelque chose en son honneur, en l'honneur et en souvenir de son passage sur Terre. D'accord. Ok, maintenant on va rentrer dans votre profession. C'est vous-même qui l'avez choisi, personne ne vous a obligé. Non, bien sûr, personne. Non. Le poste de gardien de but. Oui, oui, bien sûr, j'ai toujours été... Avant ça, vous ne vous êtes pas essayé à d'autres postes? Non, m'essayer, non. Jouer, oui. C'est-à-dire qu'il est arrivé que je joue dans le champ quand j'étais petit avec les mes frères en commandant, mais j'ai toujours été gardien de but. Mm-hmm. Donc, j'ai joué dans le champ pour m'amuser. D'ailleurs, j'ai une anecdote absolument succulente. C'est que lorsque nous entrons au lycée technique en 6e, évidemment, on est interne. Pas évidemment, on est interne. Mais évidemment, on ne se connaît pas. Mm. Voilà. Donc, on se rencontre, tous les jeunes, on ne se connaît pas. Et comme on entrait un ou deux jours avant, on n'a rien à faire, on s'ennuie. Et c'est moi qui ai l'idée de dire aux autres jeunes que nous allons mettre 100 francs chacun et aller au marché Lagos, comme ça s'appelait à l'époque. À l'époque, oui. Voilà. Acheter un ballon de foot et jouer dans la cour. Mmh. Voilà. Et là, on achète le ballon et dans la cour, je joue dans le champ. Donc, beaucoup de gens, que ce soit mes égaux, mes camarades de 6e ou des aînés, beaucoup ont cru pendant longtemps qu'ils m'ont vu débuter dans les buts. Parce que je jouais dans le champ et puis un jour, fatigué de jouer dans le champ, j'ai dit bon, maintenant je prends ma place naturelle, je suis allé dans les buts. Je le faisais si bien qu'on a cru que c'était facile. Et donc chaque semaine au lycée technique, il y avait un nouveau gardien qu'on disait plus fort que moi parce que tout le monde ne comprenait pas. Tout le monde croyait que j'avais commencé là. Et donc, on ne comprenait pas que je sois si bon en ayant commencé sous les yeux de tous. Mmh. Et donc, on pensait que l'entraînement d'hier, ah ben, il a été bon, ça doit être par hasard. C'est pas possible. Voilà. Donc, pendant longtemps, ils ont cru. D'ailleurs, il y en a qui le croient encore, qui disent, je l'ai vu débuter. Alors, Joseph-Antoine Ben, nous croyons à votre sincérité. Nous croyons en vous. Mmh. À votre franc-parler, à votre franchise. Mmh. Est-ce que très honnêtement, puisque quand on parle de football, on parle de métier de footballeur, on parle tout de la magie, il y a toujours les gris-gris, on voit souvent dans les gradins des gens qui font la prière. Quand arrive le moment des tirs au but, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gardien de but? Qu'est-ce qui se dit? C'est moi qui porte tout maintenant sur ma tête, ou qu'est-ce qui va se passer, Joseph-Antoine Bell? D'abord, premièrement, est-ce qu'il y a la magie qui passe là-dedans?
D'abord, la magie, ou la sorcellerie, appelez ça comme vous voudrez, c'est pour tous ceux qui ne comprennent pas quelque chose. Mmh. On ne dort pas au cimetière à minuit, on ne dort pas dans les cadavres, on ne fait pas ici. On ne dort pas avec les cadavres. Attention, il ne faut pas confondre les choses. Il y en a qui le font parce qu'ils ne comprennent pas comment roule le ballon. Il y en a effectivement qui croient qu'il y a une force obscure. Ceux qui ont accepté le suicide philosophique, c'est-à-dire qui ont refusé de réfléchir. Quand vous allez à l'entraînement, vous ne voyez jamais rien en match que vous n'avez pas vu à l'entraînement. Des buts incroyables ratés, vous voyez ça à l'entraînement. Des ballons qui tapent les poteaux qui ressortent, vous voyez ça à l'entraînement. Des ballons qui tapent les deux poteaux qui ressortent, vous voyez ça à l'entraînement. Des gens qui glissent et qui vous laissent marquer un but, vous voyez ça à l'entraînement. Bon, donc, il n'y a rien de nouveau au match. Sauf que le jour du match, comme il y a beaucoup de gens qui, eux, ne viennent pas à l'entraînement, il y a beaucoup de gens qui sont tendus le jour du match et qui croient voir des choses exceptionnelles. C'est pas vrai. Et donc, ceux-là croient que c'est de la magie chaque fois. Parce que regardez comment la largeur du terrain est grande. Si le ballon ne choisit de taper que sur le poteau, l'esprit simple conclut qu'il y a la magie qui a fait que le ballon ne tape que le poteau. Au lieu d'aller partout ailleurs. Voilà. Donc, quand il y a un but de raté ou un but, une action de réussi, ils veulent trouver la force qui a réussi cela ailleurs que dans l'explication de l'entraînement, de l'adresse ou de la maladresse du joueur. Donc ceux-là, oui, vont aller dormir dans le cimetière, mais c'est pour leur mal. Parce que si vous dormez au cimetière, évidemment, vous passez une mauvaise nuit. Voilà. Si vous avez passé une mauvaise nuit, vous serez moins performant le lendemain. Pour peu que votre adversaire n'ait pas dormi au cimetière, vous êtes sûr de perdre le match. Voilà. De votre carrière de gardien de but, nous, hein, les spectateurs, les téléspectateurs, les gens qui viennent regarder le match, on a souvent eu dire que parfois on te tire un ballon. C'est peut-être, tu vois, autre chose quoi, le ballon. Ça vous est déjà arrivé? Non, pas du tout, évidemment. Je dis oui parce que lorsque je suis allé en Côte d'Ivoire et que Simplice Zinsou est venu m'accueillir à l'aéroport dans sa voiture, sa belle voiture qui nous ramenait, il a abordé ce sujet-là. Ils appellent ça en Côte d'Ivoire les câbles. Bon, et donc, je lui ai dit, président, toi aussi tu crois ça? Il m'a dit, ah, tu vas voir, ici en Côte d'Ivoire, ça existe, tu vas me supplier. Je lui ai dit, mais non, président, mais non. Et j'étais allé beaucoup plus loin, après avoir vu un match du championnat de Côte d'Ivoire, un match très important, je lui ai dit, dans votre championnat, là, je vais passer l'année sans prendre 5 buts. C'est ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. J'ai réalisé cela. Et lui m'avait prédit que quand je verrai une tête de lion venir à la place du ballon, je vais le supplier de m'aider en faisant les câbles. Ça n'était jamais arrivé. Et il les faisait et je lui avais dit par politesse, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous n'êtes pas malade que vous allez faire disparaître les médecins. Donc moi, je n'y crois pas. Mais il y a des gens qui croient. Alors, je lui avais dit avec politesse, vous direz toujours à ceux qui viennent faire pour tous les joueurs, sauf un. D'accord. Donc, quand le moment arrive qu'on appelle les joueurs, ce n'est pas la peine qu'on m'appelle. Il n'y a pas de perturbation, je ne viens pas là-bas. Et ça n'a pas empêché qu'un jour, en Côte d'Ivoire, j'ai arrêté 3 pénaltys dans un match. Bon, probablement, les autres étaient persuadés que j'avais dormi au cimetière. Alors, quand vient le moment des pénaltys, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gardien de but? On le saura juste après cet élément, le meilleur de la télévision. Ça vous arrive souvent de regarder les différentes éditions du journal sur Equinox Télévision? Oui, ça arrive, oui. L'actualité de la semaine, pour vous, c'est quoi, mesdames et messieurs? On regarde cet élément juste après, on saura ce qui se passe dans la tête d'un gardien de but. Lorsqu'on parle de pénalty, surtout des tirs au but décisifs hein, pour un match. Le meilleur de la télévision, c'est maintenant. La triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre à Mandjo. Une foule nombreuse a aussitôt investi le lieu de l'accident qui a coûté la vie à Donkam Ariane, élève en classe de 5e, Tebou Yvan de la 6e, Wansi Nikes de la 1ère D. Tous élèves au lycée de Mandjo. Le conducteur de la moto y a également laissé sa vie. Il était, lui, élève au collège de l'unité de Mandjo.
C'est immédiatement quand j'ai trouvé le bestineur qu'il a remorqué trois personnes, lui-même, quatre. Alors quand il a sauté sur le dos d'âne, il était même en alu. Il y a une maman qui a dit que ouais, ouais, regarde comment l'enfant, quelqu'un le bestineur va tuer les enfants. À peine quand je vais entrer là, je comprends seulement, waouh, quand je me tourne, je vois seulement les gens. J'ai dit que c'est le bestineur là, maman, vois le bestineur là. C'est là d'où on court maintenant. Donc il semblait que la voiture, le camion montait. Une grande messe pour la paix au Cameroun, à une période où le pays est paralysé, de part et d'autre, par des événements malheureux, empreints de violences de toutes sortes. L'abbé Syriac a, au cours d'une messe donnée à la paroisse Saint-Laurent de Bafou, dans la Menoire, évoqué pour les critiquer, ces actes qui tendent à hisser le Cameroun au chapitre des grands turbulents. Peut-être que notre cher et beau pays, le Cameroun, est en train de connaître des dernières convulsions pour un monde nouveau. Il y a trop de violence autour de nous. La vidéo d'une femme que l'on enterrait vivante quelque part dans notre pays, la vidéo où des hommes tiraient à bout portant sur des femmes et des enfants. Ces images traduisent ce que nous vivons. Le riz, le maïs, le poisson, le Cameroun en a importé pour plus de 702 milliards de francs CFA en 2018, c'est-à-dire 20% des dépenses d'importation totale du pays. Le fait est grave pour un pays qui creuse ainsi son déficit commercial et dont les atouts naturels sont quasi uniques en Afrique. Le problème, une politique nationale inappropriée, les producteurs locaux notamment manquent d'accompagnement pour produire à grande échelle. Vous savez que les structures comme le Crédit Agricole qui avaient été mises en place à l'époque pour accompagner le secteur agricole ont fait faillite du fait d'une mauvaise gestion et des détournements de fonds publics. Véritable tueuse silencieuse, l'hépatite virale se voit pousser les ailes au Cameroun au point de devenir aujourd'hui un réel problème de santé publique. Les hépatites virales pour le moment, les hépatites B qui est l'hépatite qui touche le plus grand nombre de la population camerounaise qui est de 11%. Un robot représentant un engin qui transporte des substances et autres déchets polluant l'environnement pour les déverser ailleurs. Il a été fabriqué par des élèves de Tassa Comprehensive Secondary School et présenté à Yaoundé. Le robot est conçu par rapport à la compétition qui nous demande de porter des grosses balles et des petites balles. Et maintenant, les grosses balles sont là pour représenter macro-pollutants, ce qui veut dire gros pollutants, et les petites balles qui représentent les micro-pollutants, qui veut dire petits pollutants. Maintenant, notre robot doit être capable de les porter et les déposer sur certaines étagères. À la fin du jeu, où on considère que le jeu est submergé par les eaux, le robot doit être capable de s'accrocher sur une barre. Médecine traditionnelle, médecine conventionnelle, le débat est une fois de plus ouvert sur la combinaison des deux en vue d'une meilleure prise en charge des patients. Dans le contexte africain, ils sont nombreux à rappeler les origines même de la médecine moderne que sont les plantes. La médecine moderne que nous faisons ne règle pas le problème des cas africains à 50%. Par contre, en Europe, ça règle le problème, peut-être à 90%. La raison est simple, c'est parce qu'il y a en Afrique beaucoup de problèmes mystiques. Et le moment où vous avez tout ça, il est impossible que le remède médical marche. Il y a même des traitements qu'on va faire et que ça marche. Il y a aussi un autre problème que beaucoup de pasteurs, de prêtres, de tradipassins, les médecins, ces trois catégories de personnes qui devaient travailler en cohabitation.
Merci donc à l'ensemble du service de l'information de Equinox Télévision pour ces éléments. Voilà, merci également à Dalachana qui a assuré le découpage, qui a sélectionné ce que nous allons pouvoir regarder, ce que nous avons pu regarder cet après-midi. Joseph Antoine Bell, qu'est-ce qui, pour vous d'abord, avant de donner votre point de vue par rapport aux images que vous avez regardées, vous aura marqué cette semaine en termes d'actualité? Quand vous avez tout ça, c'est difficile d'être marqué simplement par une chose. Mais vous savez, la vie est certainement plus importante que tout. Et donc, ces enfants qui ont été écrasés par une voiture, vraiment, ça fait mal, quoi. On se met à la place des parents. Tout le reste est important, mais ça, c'est... Ouais, donc, toutes nos condoléances déjà, aux différentes familles éprouvées. Nos condoléances aux différentes familles. Mais seulement, malheureusement, on a l'impression que ceux qu'on appelle Ben Skinner, là, ne sont jamais chez eux pour regarder les images et pour savoir quels sont les dégâts qu'ils causent. Je sais qu'ils ont commencé à se rassembler en association et même peut-être en syndicat. Je crois qu'il faudra peut-être qu'on passe par là pour les éduquer. Mais aussi, on ne peut pas oublier que dans cette affaire, ils ne sont pas seuls. Ça veut dire que c'est quand même volontairement que des parents ou de grandes personnes acceptent de monter à 2, à 3, à 4 sur une moto. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une moto, mais il ne m'est jamais venu à l'idée, j'avais deux jeunes frères, il ne m'est jamais venu à l'idée que nous y montions à 3. Or, c'est la même moto que je vois aujourd'hui avec 4 personnes dessus. 5 personnes, 6 même des fois. Voilà, donc je crois que notre propre notion de sécurité a disparu. Et c'est un problème assez vaste dans la mesure où, vous savez, ceux que nous appelons forces de l'ordre sont avant tout d'abord des citoyens de ce pays, dont des jeunes de ce pays qui arrivent là. Et quand on voit des voitures qui circulent sans feu de signalisation, vous ne pouvez pas savoir la nuit ce qu'il y a. Et qui passent tous les contrôles sans qu'on ne dise rien. Quand on voit les voitures surchargées, qui passe et que les occupants se dédouanent en disant que mais on va faire comment? Je suis pressé, je veux partir. On oublie, c'est vrai que peut-être 7 fois sur 10 ils vont arriver, mais les 3 fois sur 10 où ils n'arriveront pas sont 3 fois de trop. Voilà. Donc on devrait prendre des mesures et faire passer la sécurité avant tout. Mais je crois que pour l'instant, ce n'est pas encore dans notre mentalité de faire passer la sécurité avant tout. D'accord. Voilà, c'était donc le meilleur de la télévision. Ce qui aura retenu l'attention de Joseph Antoine Bell. Alors, on revient à vous. Durant votre carrière, les 20 années de carrière que vous avez passées à l'équipe nationale et même d'autres belles années, qu'est-ce qui aura été les meilleurs moments de votre carrière footballistique? C'est maintenant, c'est facile à dire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est l'ensemble, parce que si je n'avais pas fait tout ça, vous ne m'inviteriez pas aujourd'hui. Si je n'avais pas fait tout ça, on n'aurait pas besoin de moi à la CAF. Si je n'avais pas fait tout ça, on n'aurait pas besoin de moi à la FIFA. Si je n'avais pas fait tout ça, RFI n'aurait pas été inspiré de m'engager, de me garder si longtemps. Donc, c'est l'ensemble de ma carrière et je suis quelqu'un qui ne dissocie pas déjà les compartiments de sa vie. Je suis le même partout et chaque chose que je fais doit servir à un autre domaine. Et donc, une défaite qui aurait pu être un mauvais souvenir va servir à gagner la prochaine fois. Et cette défaite-là, je ne l'oublierai pas parce qu'elle m'aura enseigné quelque chose. De la même manière, vous avez entendu mes deux partenaires tout à l'heure des Lions Indomptables, François Mambiyik et Thomas Liby, se révolter un peu et s'indigner du fait qu'en 90, des gens se soient ligués absolument pour que je ne joue pas.
Ça aurait pu être un très mauvais souvenir, mais ça n'en est pas un parce que j'ai pris l'autre côté de la chose. Même Veillé vous a dit que je suis resté jusqu'au bout, et bien j'ai pris le côté humain de cette aventure et j'ai beaucoup appris. D'accord. Maintenant, la moralité des joueurs. On sait que les joueurs, c'est des stars. Il y a des femmes qui arrivent. Et lorsque vous entrez dans les stades, les petites un peu de partout. Alors, que dites-vous par rapport à ça, Joseph Antoine Bay? Vous arrivez dans un pays, c'est tout le monde qui arrive, les femmes sont là, elles viennent au stade et vous regardent et vous adulent. C'était vous, vous n'avez vu que les femmes qui venaient au stade. Non, au stade... Tout le monde vient, les parents viennent, les enfants aussi. Et moi, dans les stades, j'ai vu beaucoup d'enfants et j'ai plus retenu ces regards-là. Et je crois que je n'ai pas retenu particulièrement que les femmes venaient. J'ai vu que des gens venaient qui aiment ça, qui apprécient ce qu'on fait et que pour cela, vous êtes obligés, tenus. De vous entraîner durement pour ne pas décevoir. D'accord. Voilà. Alors, on va parler terre à terre, Joseph Antoine Bell. Voilà, oui. Le footballeur et les femmes. Ah, ça c'est autre chose. Oui, parce que vous êtes des stars. Oui. Est-ce que c'est facile de résister aux femmes à ce moment-là? Parce qu'on connaît les femmes, on va se dire c'est elles qui attaquent, c'est elles qui arrivent. C'est facile de rester fidèle à une femme dans votre carrière. Comment est-ce que vous avez géré ça, vous, Joseph Antoine Bell, sachant que vous portiez aussi très bien votre nom de Bell. Vous étiez un très bel homme. Et vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Ça, c'est... Bon, eh bien, écoutez, Esther, d'abord, on ne va pas jouer au foot parce qu'on cherche les femmes. On joue au foot parce qu'on aime le foot. On essaye d'être performant et on apprend que les femmes peuvent être une nuisance, non pas à cause de leur sexe qu'on dit faible, c'est-à-dire que c'est pas ça, parce que les gens finalement mettent ça sur un plan carrément magique. Voilà, faut pas voir les femmes ou faut pas toucher les femmes. C'est pas en cela qu'elles sont nuisibles, c'est simplement la distraction que cela cause. Et donc l'absence de concentration qui va en résulter, qui fera que vous pourriez être moins performant. Et donc, je crois que c'est comme cela qu'il faut voir. Et quand vous regardez les choses comme ça, vous éviterez donc d'autres choses aussi qui peuvent causer de la dispersion. Donc, les femmes, en tant que genre, ne deviennent pas un ennemi du footballeur. C'est la dispersion, la distraction, qui est un ennemi de la performance. En fait, même pas un ennemi du footballeur, mais un ennemi de la performance. Voilà. Il y a une vidéo concernant un joueur, on ne va pas citer le nom, qui a circulé il y a quelques mois. Et puis après ça, c'est « Ah oui, qu'est-ce que vous attendez ?» C'est la moralité des joueurs. Ils sont comme ça, ils sont tout le temps... En ce qui concerne les femmes, c'est comme ça. Ils font des vidéos, après ils balancent. Vous avez vu cette vidéo? Oui, vous savez, quand vous recevez une vidéo, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Tout à fait, il faut l'ouvrir. Donc, vous ouvrez et vous tombez sur quelque chose et vous vous dites, mais qui a pensé que j'ai envie de regarder ça? Moi, je ne sais pas pourquoi ça peut plaire aux gens, mais bon, ça plaît. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ce jeune homme a eu pour pouvoir sortir cette vidéo. On va, en même temps... qu'on lui applique la rigueur du sport en le condamnant et en disant qu'il n'aurait jamais dû, on va se montrer un peu compréhensif en disant que ça va être forcément une leçon pour lui et que je suis certain qu'il a retenu la leçon. C'est pour cela qu'à la fin d'une carrière de sportif, si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne comprendrez jamais. Ces choses qui vous arrivent vous permettent de grandir, ce sont les événements qui révèlent les gens. Donc, en ayant eu ça, ça doit l'amener à réfléchir et à se poser la question de comment c'est arrivé, puisque je suis sûr qu'il n'a pas apprécié le fait de voir cette vidéo circuler partout. Maintenant, il se trouve que s'il y a eu vidéo, c'est qu'il est responsable, il l'a faite. Où il a commandé et comment s'est-elle échappée, c'est à lui de voir. Le plus simple, le plus radical, c'est de dire qu'il ne faut pas faire la vidéo. Maintenant, il va voir aussi toutes les étapes, pourquoi la vidéo est sortie, où est-ce qu'il y a eu faille, qui s'est trompé, est-ce que c'est lui. Mais en définitive, le plus gros responsable, c'est lui. Maintenant, pour ceux qui disent qu'est-ce que vous voulez, il faudrait qu'ils sachent que non, la vie, ce n'est pas comme ça. La vie des footballeurs, ce n'est pas...
c'est pas d'être avec les femmes et de s'amuser avec les femmes, parce que le football est très exigeant et quelque part très 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 moral. Il faut savoir que dans les grands clubs, on ne vous passe pas ce genre de choses. Non, vous pouvez pas. Au contraire, vous êtes vraiment tenu à une grande discipline, mais aussi à une vie en société qui doit être exemplaire. Est-ce que votre carrière peut prendre un coup après une vidéo pareille? Forcément, d'abord, vous êtes regardé différemment. S'il avait été dans un grand club au moment de cette vidéo, ça aurait été catastrophique pour lui. Maintenant, à moins que je me trompe, il doit jouer en Russie. Donc, on oublie plus facilement ce genre de choses, ou encore on en rit. Mais lorsque vous aspirez au vrai haut niveau, vous devez être exemplaire. Vous devez être exemplaire sur le terrain, vous devez être exemplaire dans le vestiaire, vous devez être exemplaire dans la vie, vous devez être exemplaire partout où vous allez. Alors, vous allez nous dire quel est le regard que vous posez sur la jeune génération de l'équipe nationale actuelle. Mais avant, dites-nous, on parlait de la période des tirs au but. Vous, en tant que gardien de but, quand ça arrive, quand on va jouer, il faut maintenant aller au tir au but pour départager les deux équipes. La logique, c'est précisément de dire « Oh, je porte toute l'équipe sur moi et tout ». Or, comme souvent, ce qui vous paraît évident est très trompeur, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. C'est tout l'inverse. D'abord, il faut se dire « Il y avait 90 minutes ou 120 minutes pour faire la différence ». Si on ne l'a pas faite, je ne peux pas porter toute l'équipe. Donc, il faut vous dégager la tête. Et parce que si vous vous surchargez la tête avec « c'est moi à classe, je porte toute l'équipe », vous ne pourrez pas bouger. Donc, l'exploit se fait quand vous êtes décontracté et la tête vide. Donc, il vous faut simplement vous dire « j'ai 5 pénaltys, j'espère et j'essaye d'en arrêter 1, 2, 3, puis on va voir ». Et ne vous préoccupez pas de vos partenaires qui doivent être chargés de les marquer. Vous souhaitez qu'ils les marquent, mais essayez de vous concentrer sur ce que vous avez à faire sans commencer à penser à ce qui arriverait si vous n'en arrêtiez pas. À ce moment, vous faites quoi? Vous faites votre calcul. Comme on dit souvent, parce que vous savez, au quartier, quand on regarde les matchs, tout le monde est entraîneur, tout le monde est joueur, tout le monde est gardien de but. Oui. On dit, il choisit son angle, on calcule. Oui, normalement. Est-ce que lorsque vous arrêtez un pénalty, c'est que vous le pensiez vraiment ou c'est le hasard, c'est le fruit du hasard? La vie peut sembler être le hasard, mais on sait très bien que finalement, les choses n'arrivent pas au hasard. Donc, le gardien qui va arrêter un pénalty est un gardien qui s'est bien préparé. Les pénaltys, vous en tirez à l'entraînement et vous, le gardien, vous réfléchissez, vous observez, vous avez effectivement ce que vous appelez calcul, vous avez une certaine expérience de l'exercice qui vous fait penser que ce sera tiré à droite, à gauche, au centre et c'est ça qui vous fait réagir. Mais pour ça, il faut être très concentré et la concentration ne commence pas au moment des pénaltys, c'est à l'entraînement. Et vous avez souvent eu peur? Peur, non. Vous avez vu tout à l'heure que je pense que c'est dans vos 13 minutes qu'on a montré un match Bordeaux-Marseille où j'ai arrêté un pénalty avec les mains dans le dos. Donc ça peut pas être le fait du hasard. C'est quelque chose qui procède d'une réflexion. Et donc, ça, c'est la conclusion de votre réflexion. Donc, vous ne faites pas les choses au hasard. C'est quelque chose que j'ai fait dans ma vie une seule fois. Et ça a marché. Je ne l'ai jamais refait parce que c'est un problème de circonstances. Vous êtes satisfait de votre choix au jour d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je n'ai pas... Gardien de but. Dans la vie, on peut toujours faire regret. Mieux, on peut faire moins bien. Donc, non, je suis content de ma vie. On va rappeler, pour ceux qui arrivent à l'instant, vous êtes marié, vous êtes père de deux enfants, deux garçons. Oui, donc que pour les femmes, la course est arrêtée depuis longtemps. Parce que vous avez voulu... Vous êtes resté avec la même femme pendant longtemps, qu'on peut dire que la vie d'un footballeur peut être bien rangée. Vous voyez, on n'est pas obligé de passer de femme en femme. On peut très bien avoir une seule épouse. Qu'est-ce qu'on mange quand on est footballeur? C'est quoi le régime alimentaire? Le secret de la longévité? Garder le ventre toujours plat? Des tablettes de chocolat 65 ans après? On l'a vu, hein? On l'a vu dans le 13 minutes inside. Non, en fait, on a,
on a le droit de tout manger dans la vie. C'est un problème de quantité. Il faut, j'amuse souvent les gens en disant que si vous voulez ne pas prendre du poids, si vous allez dans une salle de sport, il faut travailler sur tous les muscles du cou. Mm-hmm. Parce qu'il faut que vous soyez capable de dire non. Donc, il faut que vous ayez le cou musclé pour dire non et ne pas, chaque fois qu'on vous présente un plat, oui, merci. Merci. Ah, il faut pouvoir dire non. Ok, voilà, là, maintenant je vois. Ah, voilà. Donc, okay. il faut pouvoir dire. Vous allez me faire un commentaire sur Marc Vigian Foy de Regretter Mémoire aujourd'hui. Mais avant, mesdames et messieurs, prenons cette musique. Hein. On a Divi Labile sur le plateau B de dimanche avec vous. Après, on va recevoir le travail. On va apprécier le travail de Landry Mann, qui est notre peintre attitré. Pour l'instant, place à la musique. On va retrouver notre invité, Joseph Antoine Bell, pour conclure l'émission après. Voilà, retour de ressources. Sa Majesté applaudit. Quand oui. Sa Majesté applaudit, ça veut dire que c'est bon. Non, c'était bien, oui, très très bien. On pourrait voir Sa Majesté esquisser quelque part de bon sur ce type de musique traditionnelle de l'Ouest. Oui, mais pourquoi pas. Ok. On va danser alors. Oui, mais j'ai dansé pendant qu'il chantait, maintenant on ne danse pas. Je ne sais pas si à l'Ouest on danse quand la chanson on est terminée. On peut remettre la musique, c'est vrai que tu vas un peu avoir la musique pour voir comment Sa Majesté, je sais pas, une belle danse. Voilà. On y va. D'accord, je danse avec le clip. Voilà. Wow! Merci, Sa Majesté. Ah. Très bien, j'ai surtout entendu pendant la chanson, moi j'ai retenu qu'il y avait Tchounke dedans. Donc si c'est Séverin, tu as déjà un morceau Séverin. C'est pour toi. Bon, voilà, ok. Landry Mann, bon après-midi. Bon après-midi. Ouais. Bon après-midi. Oui, bon. Ah oui, là c'est. Ah, le portrait de Joseph Antoine Bell en direct. Ouais. D'accord, bravo. Bravo. Bravo, très bien. Ouais. Ah ben il sera tranquillement installé chez moi. Voilà, donc c'est l'équipe des dimanches avec vous qui vous l'offre de façon solennelle. Merci beaucoup. À Landry Mann. Merci. Merci, félicitations. D'accord. Alors, Joseph Antoine Bell, on va bientôt sortir. Hein. Un mot sur Marc Vigian Foy tombé au champ de bataille en 2003 à Gerland. Évidemment, ça fait toujours mal quand on y pense. Lui aussi, comme Rigaud Berson, ils étaient arrivés ensemble. Donc, un jeune de valeur. De grandes valeurs, et je me rappelle que un autre joueur était venu me voir quelques jours auparavant, mais qu'on parle de quelque chose, et je lui avais dit, puisqu'il allait là-bas, d'aller en discuter avec Marco et qu'il me tiendrait au courant tous les deux. Cette affaire-là. Et oui, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. Merci Joseph-Antoine Bell d'avoir accepté notre invitation. Vous avez certainement d'autres projets. Oui, 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 bien sûr. Des projets à long, à moyen terme. Là, il est quelle heure? Il est moins le quart. Je dois aller à l'Institut français parce qu'il y a les restitutions de travaux de Souza qui est une affaire d'intellectuel. Je vais y courir. D'accord. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ce fut un plaisir, un honneur pour nous, pour toute la grande équipe dimanche avec vous, de vous avoir reçu. Vous avez, moi je ne veux pas qu'il y ait d'équivoque. Il y a des gens qui ont pris l'émission en cours et vous avez parlé de mes tablettes de chocolat. Oui. Donc je suis sûr qu'ils croient que vous les auriez vus autrement, mais tous les téléspectateurs qui étaient là au début, mes tablettes de chocolat étaient vues parce que j'étais à la piscine. Il fait donc la nage. Voilà, moi j'anticipe toujours, donc je pense à tous ceux qui sont arrivés en cours, qui vont croire que Esther a des faveurs. Non, Esther n'a pas de faveur, elle n'a pas vu mes tablettes ailleurs que comme tout le monde. Voilà, vous avez une tête qui tourne. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure comment ça se passe dans les grands clubs. Vous évitez
éviter d'avoir des histoires qui vont vous distraire. Donc, où on commence à raconter des choses dans les journaux qui ne sont, si en plus elles ne sont pas vraies. Voilà, d'accord. Elles vous distraient pour rien. Voilà, il est marié, bien marié. C'est le mari de Félicité. Voilà, Félicité. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a un immeuble qui porte son nom. On a vu dans le 13 minutes Inside. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 1h30. Et n'oubliez pas, le mardi, à partir de 13h30, lorsqu'il sera 13h30 au pays de Antoine-Joseph Bell. Et Joseph-Antoine Bell, vous avez eu tout juste jusque-là. Et non, pour c'est finir... fait exprès. C'est fait exprès. Ah, d'accord, ok. C'est fait exprès. Merci à Severin Touban qui était à la réalisation. Merci à Dalastiana, Cédric Chouna. Merci à toute la grande équipe de Dimanche avec vous. On aura le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain lorsqu'il sera naturellement 14h00 au pays de Joseph-Antoine Bell.